will be the comparison of the evidence, what we have learned from the genetic investigation, and we will try to compare these findings at the genetic level with findings from the archaeological level, from the epigraphic level, historical, and try to build this whole image of the Doga site. So as an outcome of the event, first we will design a new brochure which will summarize the key message, the important message that we learned from this project and the important findings as well. We will do, thanks to the team here of the video producer, a video that will be posted on the AGIA website and the IPT, also the IMP website. And we will also summarize the findings in a scientific paper, I hope many scientific papers. And in addition to that, we will have a capacity building goal because we have planned a training for the two postdocs and also the anthropology stream and the one from the science policy, scientific policies, police, to do a training in Max Planck Institute to learn how techniques are well done according to international standards. At the end, I would like to thank the organizing committee, mainly Monsieur Ziadek Bayer for his nice and valuable help in organizing, Professor Samir Onala for opening the door to the site, to this collaboration, and also the AGIA members, all the collaborators, and I wish you a nice event. Thank you. Merci, Wolfgang. Je vais demander la parole à ce premier de la première page. Bonjour. En ma qualité de directeur général de l'Institut national du patrimoine, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce beau local dédié à la mémoire d'un grand sénégalais.
que ça. Ah, d'accord. Ok. En gros, et après. Voilà. Ouais. T'as fait choyer le... T'as fait choyer. On a resté à l'étape, Haja, parce que... Allez, vas-y. Ok, très bien. Okay. Good morning again. I have the pleasure now to introduce Professor Samir Aounallah, researcher, director of researcher in Institut National du Patrimoine, and responsible of the site of Doga, to give his talk on the archaeology results and background of Doga. Please, Professor Aounallah. Okay. Bon, le site de Doggaz, donc c'est une présentation rapide hein, parce que il y a beaucoup de choses à dire hein, sur Doggaz. Parler de Doggaz, surtout dire l'essentiel de Doggaz, n'est pas très facile parce qu'il y a tellement de choses et il y a tellement de documents, il y a tellement de monuments à montrer que parfois on se perd dans cette immensité. Doga, pourquoi Doga? D'abord, c'est l'un des rares sites que l'on peut appeler un musée à ciel ouvert. Je crois que le qualificatif ne peut pas s'appliquer à beaucoup d'autres sites tunisiens ou même maghrébins. Donc, ce qui frappe, c'est cet état de conservation de ruines et la satisfaction qu'on éprouve lorsque on s'y promène. C'est un site dont la superficie atteint 70 hectares. Donc, c'est une ville d'étendue modeste, hein, qu'on le veuille ou non, c'est une ville d'étendue modeste, et seulement à peu près 30% du site sont fouillés. Hein, seulement 30%. L'autre attrait à Doga, c'est que toutes les périodes historiques sont représentées. À partir de la préhistoire, donc on a des témoignages qui remonte à environ 2000 ans avant, 1800, 2000 ans avant, et le site n'a jamais cessé au fait d'être occupé, et il l'a été jusqu'aux années 1960. Voilà. Donc, vous avez là le plan du site, vous remarquerez la densité quand même des monuments, une vue du sud du site, une prise de vue par drone sur l'ensemble du site. Alors, vous avez une idée sur l'extension, mais surtout sur l'état de conservation des ruines. Et une autre vue, celle-là, elle est aérienne cette fois, sur la partie sud du site, entre les citernes, entre Angoura et le Capitole. Donc, toutes les périodes historiques, à commencer maintenant par la période numide, on sait que la ville, décrite déjà à la fin du IVe siècle par Diodore de Sicile, est dite ville d'une belle grandeur en 310-309 avant Jésus-Christ. Sauf que malheureusement, l'archéologie de cette période-là reste d'un grand mutisme et ne livre en somme que des restes de monuments funéraires, de datation peu précise également. Hein, quelques habitations qu'on a reconnues pas loin du théâtre cultuel, mais là aussi, c'est des structures non identifiées. Du coup, bon, voilà, notre connaissance de Doggaz numide, pourtant une ville d'une belle grandeur au IVe siècle avant, reste très, très peu connue. Ce qui domine, bien sûr, c'est le paysage archéologique, c'est les monuments romains et tardifs, enfin tardo-byzantins surtout, et romains. La ville a été prospère jusqu'à la fin du IVe siècle. Le dernier chantier connu à Doga date des années 370-375.
au-delà de cette date-là, on n'a rien. Donc, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de chantier. Et nous avons cette impression que la ville s'est petit à petit transformée en village. Au 5e siècle, on ne peut vraiment pas parler de la ville de Douga. Je pense qu'il y a eu un déclin, plus d'évergétisme et désertion surtout de la ville par les notables les plus influents. Ce déclin, il est évident par l'absence, par le peu, très très peu d'importance des religions monothéistes. Le christianisme est très peu représenté. La seule église, elle fait à peine 150 mètres carrés, donc elle héberge 100 fidèles, peut-être au maximum, pouvaient rendre leur culte. L'absence de judaïsme, il n'y a rien sur les juifs. Et quand on vient à l'époque arabo-musulmane, la petite mosquée ou le petit bain à Glabid sont vraiment ridicules par leur dimension. Tout cela indique même que la ville a perdu son importance à partir de l'époque chrétienne, enfin byzantine et post-byzantine. Donc ça, c'est pour l'archéologie. L'importance de Douga, donc, c'est ce monumentalisme, quoi, hein, qu'on éprouve un peu partout quand on se balade à Douga. L'autre grande caractéristique de Douga, l'autre label de Douga, si on veut, c'est que c'est une terre d'écriture. Douga est vraiment, c'est le seul site en Afrique, peut-être avec l'Epsis Magna, qu'on peut réellement qualifier d'une terre d'écriture. La collection épigraphique est d'une richesse extraordinaire. En général, toutes les langues sont présentes à Douga. On a le berbère, enfin, on a le libyque, on a le punique, on a le latin, on a le grec. Oui, toutes les langues antiques donc sont là. Le latin, bien sûr, c'est la langue qui domine. Mais en tout cas, ce qui caractérise Douga, c'est par exemple ces deux belles inscriptions bilingues. C'est grâce à ces deux bilingues-là, que ce soit l'inscription du mausolée libyco-punique, ou... Oui, ça, vous avez là une idée, ah, ce ne sont que des hypothèses, sur l'extension de la ville à l'époque pré-romaine. Hein, on remarquera que la ville s'étendait sur à peu près 25 à 30% du site dans sa plus grande extension, c'est-à-dire à l'époque romaine. Qu'est-ce que c'est ça? Okay. Donc, excusez ce petit truc. Bon, vous avez là une vue sur le site par satellite. Là, on a surtout une vue sur le secteur de la nécropole mégalithique de Douga. Là, une vue quand même sur le centre-ville de Douga. Vous remarquez hein, l'extraordinaire état de conservation des ruines. Une autre vue sur le forum. Et un aperçu historique sur le forum, et surtout sur le forum à l'époque byzantine. En rouge, c'est la forteresse byzantine qui a repris l'essentiel du forum romain en intégrant dans ce forum-là, dans le nouvel édifice, le Capitole et un monument devant, très probablement, le temple du culte impérial de Douga. Ça, c'est l'unique église de Douga. Observez la petitesse quand même. Ça, c'est le plan des petits thermes aglabites, hein, dits aglabites, on les appelle comme ça, parfois on les attribue à cette période-là. C'est kiff-kiff, hein, c'est des petits bains très moyens, donc qui montrent clairement que l'occupation post-antique était quand même lâche et pas très importante. Ça, c'est une vue sur ces bains hein, au pied du Capitole. La mosquée de Douga,
observé un peu quand même, a fondé, bâti enfin, sur un ancien temple, mais c'est une petite mosquée hein, pour une communauté, seulement 1000 villageois sans doute, à l'époque, l'intérieur de la mosquée. Et ça, c'est Douga à l'époque post-antique. Alors, il y a une grosse discussion sur l'enceinte de Douga tardive. On pense qu'elle est byzantine, d'autres pensent qu'elle est peut-être arabo-musulmane, médiévale, etc. Peu importe le détail, c'est que la ville tardive a négligé plus de la moitié du site. Hein, plus de la moitié du site n'a pas été considéré par les occupants à l'époque tardive. Donc, c'est une ville qui a régressé. Voilà, quand on arrive à Douga, et c'est ça, hein, vous avez là un exemple d'une inscription bilingue, c'est-à-dire écrite dans les deux langues, le punique d'abord, le punique précède dans ce texte-là. C'est curieux parce qu'on est en pays libique, mais le punique précède le libique, c'est-à-dire la langue des gens du pays, ce qui veut dire que c'est la langue officielle. Hein, ça veut dire que c'est la langue officielle, c'est la langue du royaume, hein, c'est la langue administrative. Ensuite, vous avez le texte libyque qui traduit le punique, hein, c'est une traduction, et puis à la fin, il est clôturé par une phrase punique. L'importance de cette inscription et d'une autre qui est aujourd'hui au musée du Louvre, c'est qu'elle elle a permis, c'est grâce à Douga qu'on a pu déchiffrer la langue libyque, qu'on ne connaissait pas avant, hein, ou du moins qu'on connaissait que quelques mots. Grâce à ces deux textes, hein, parce qu'on connaît bien le phénicien ou le punique, et donc on a pu traduire, comprendre le libyque, et on a pu donc établir même l'alphabet libyque. Donc c'est unique à Douga, il n'y a pas d'autres inscriptions comme ça, il n'y a pas. Aperçu sur l'alphabet libyque à gauche et ses correspondants en arabe et en truc. Alors, mais au-delà, c'est surtout les inscriptions latines qui constituent la masse documentaire la plus importante. On en compte pas moins de 2500 textes d'inscriptions latines à Douga. Majoritairement gravé sur une pierre locale, qui est le calcaire, on recourt très très rarement aux supports nobles comme le marbre qui est importé et qui coûte sans doute cher, mais en tout cas la pierre locale se prête bien à ce type de documents. Alors on trouve généralement des inscriptions, l'écrasante majorité c'est des inscriptions funéraires. Voilà les deux types de supports qu'on trouve. Les sites à droite, et les stèles à sommet un peu arrondi à gauche. C'est les supports qui dominent. Hein. Le support qui domine le plus dans ces deux types de textes, c'est à gauche. Les stèles sont moins chères et moins travaillées. Hein. On trouve également à côté des inscriptions, c'est des inscriptions funéraires toutes banales. Hein. C'est toujours les mêmes choses, la formule introductive, la formule à la fin. Et puis, nous avons toujours le nom de la personne. Là, il y a, je crois, Julia et je ne sais pas quoi. Voilà, là, il y a un Julius. Mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est des inscriptions qui sont intéressantes uniquement par la mention de l'âge, parce qu'elles donnent une idée sur l'espérance de vie, et par le nom de l'individu, parce que ça nous donne une idée sur le statut juridique de la personne. Grâce à ça, on sait que c'est un Romain ou ce n'est pas un Romain, par exemple. Rien qu'en lisant le nom. On a également des inscriptions comme celle-là. C'est des inscriptions votives qu'on rencontre généralement dans les sanctuaires, dans les monuments religieux et particulièrement dans le temple de Saturne. Hein. C'est toujours la même chose, c'est des vœux adressés, les vœux d'un tel adressés aux dieux, avec souvent beaucoup de décors et une idée sur les victimes qu'on offre aux dieux. À observer la couleur, hein, quand même, c'est des inscriptions. La majorité des textes étaient peints avec de l'ocre. Hein.
Autre type de texte, c'est ces textes publics. Ils sont très, très intéressants. C'est les hommages que la cité, ou l'ordo de la cité, c'est-à-dire l'assemblée, adresse à ces assez notables. Hein? Ils sont riches en paroles. En général, ils donnent le cursus honorum de l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été dans sa vie, et c'est au fait envers sa patrie. Qu'est-ce qu'il a donné à sa patrie? C'est généralement, c'est en retour hein, d'une carrière généreuse et bien remplie qu'on érige une pierre pour éterniser, en fait, la mémoire de l'individu sur le site. Avec ces textes-là, on a d'autres types de textes. Pardon. C'est des sortes de lintos. Alors, eux, c'est des textes comme ça, ils sont intégrés à l'architecture du bâtiment. Ça, c'est un linteau. Hein. Et en général, grâce à ces inscriptions-là, on sait ce qu'était le monument, un temple, un forum, ou je ne sais pas quoi. Hein, et on arrive à identifier donc ces monuments. Alors, autre particule, voilà le plus bel exemple, c'est le Capitole de Douga, où vous avez sur le tympan la scène de l'apothéose, tamponin, où vous avez l'inscription dans le linteau au milieu, dans la frise, et où vous avez la deuxième inscription qui est à l'intérieur du monument. Une vue, voilà, une plus de détails sur l'inscription et la transcription de l'ensemble du texte, le Capitole. On l'identifie, pourquoi? Parce qu'il y a Jovi, hein, Jupiter, Optimo, Maximo, il y a Junon, Iudoni, et il y a Minervae après, Augustae, Sacrum, etc. Donc, c'est la triade classique qui est hébergée dans le Capitole et qui fait l'objet du culte Capitole. Alors, parfois, voilà les différents, en gros, hein, les différents types de textes, mais observez le texte en haut à droite, parfois nous avons des gens damnés, des gens qui sont frappés d'indignité, hein, c'est ce qu'on appelle, donc quand ils sont convaincus d'un délit ou je ne sais pas quoi, bref, on décide d'effacer leur mémoire et on efface leur nom du support. C'est ce qu'on appelle les inscriptions martelées. Et en général, c'est des choses qu'on fait, c'est des martelages qu'on fait après la mort de la personne. C'est comme si on le condamne à l'oubli. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que toutes ces inscriptions, ils racontent la vie de la cité en général. Surtout les inscriptions publiques, on a cette chance à Douga d'avoir ça parce que c'est grâce à ces inscriptions qu'on arrive à identifier le monument, à même, parfois, elles sont datées de l'année près. C'est ça le grand avantage à Douga. Donc, on a même la chronologie des bâtiments. Et avec un peu d'habilité, on peut même traduire ça sur un plan de ville, la ville au premier siècle, la ville au deuxième, la ville au troisième, etc., etc. Les grands moments, c'est surtout à quelle occasion ? Ces textes sont bien. C'est là aussi l'autre avantage. C'est que c'est toujours à l'occasion, il y a toujours des occasions. On n'écrit pas une inscription comme ça parce qu'on veut s'amuser. Non, c'est toujours à l'occasion d'un événement, un jour anniversaire en généralement de la cité, un moment important de la cité, ou une élection d'un notable. Hein, ces inscriptions, grâce à tout ça, on arrive à écrire l'histoire de Douga. Et c'est ça le grand avantage de ces textes. À Douga, on peut, grâce à ces inscriptions, écrire l'histoire et l'évolution de cette histoire. On connaît le nom libyque de Douga. La ville s'appelait Tabgag, ou Tabgaga, en tout cas, en Libye, comme en Punique, comme il n'y a pas de voyelle, c'était T-B-G-G. Hein. Qu'il faut sans doute développer en Tabgag, hein, ou Ga, ou Tabgaga. Et ce nom-là a été latinisé. Quand l'administration romaine elle est venue dans le pays, elle a transcrit le nom. Tabgag, dans la langue latine, était imprononçable.
Donc, il fallait lui donner une forme latine, comme chez nous, les Arabes, quand ils sont venus, ils ont transformé le paysage toponomastique. La colonisation française aussi a fait à peu près la même chose. Donc, l'équivalent latin de Tabgag, ou le Tabgag latinisé, est Touga, T-H-U-G-A, qui n'en est qu'une altération et que l'administration romaine a adapté aux exigences de sa langue officielle. En fait, un toponyme pour une administration doit être prononçable par cette même administration et surtout doit être déclinable. On ne peut pas mettre un nom qu'on ne peut pas décliner dans la langue latine. Décliner, c'est-à-dire conjuguer, etc. Comme je l'ai dit, l'époque numide est très peu documentée, à l'exception de ces deux belles inscriptions, mais c'est surtout, on est bien armé pour aborder l'histoire de Douga pour l'époque romaine. Alors, après ce qu'on sait, d'abord il y a les généralités, après la conquête du pays par Rome eut lieu en 46 avant notre ère. Donc, le royaume numide a cessé d'exister et fut transformé en province romaine qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Afrique par opposition à l'autre Afrique, qui est l'Africa devenue vétus ou vieille. Et comme un peu partout, après la victoire, c'est la loi du vainqueur et toutes les villes subissent le châtiment connu, celles qui ont été pour l'armée romaine ont été gratifiés de la liberté et les villes qui se sont opposées aux armées romaines ont été punies. Comme on transforme un homme libre en esclave, on transforme également une ville de ville à un village, dit Castellum, et ça, c'est qu'elle perd la dignité de cité. Smaneta, elle perd la dignité de cité, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de Sénat ou plus de conseil municipal, elle n'a plus de magistrat, elle n'a plus de territoire propre et donc elle n'a plus de budget. C'est ça ce que ça veut dire, transformer une ville en village. Et la cité qui autrefois percevait des impôts pour son propre budget, pour ses chantiers publics, les impôts sont perçus directement par l'administration romaine. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Douga. Donc la ville fut ramenée de cité à village, Castellum, on appelle ça Castellum, et elle est restée beaucoup. L'autre détail, c'est que bien sûr, la province a été conquise par les armes, donc il y a eu des guerres et il y a eu sans doute des morts. Et on sait que la guerre affecte surtout les hommes vaillants, les hommes solides et robustes. C'est-à-dire les hommes capables de travailler la terre. C'est ça ce qui s'est passé après la guerre, c'est cette pénurie en main-d'œuvre utile, et même les plus vaillants, ils s'enfuient. Donc, ce qui fait que des terres sont devenues disponibles et vacantes. Et c'est là que Rome intervient en injectant des colons. Donc, Douga a reçu un lot de colons qui sont des vétérans, c'est-à-dire des anciens soldats. Une fois la guerre elle est finie, ces soldats sont libérés, sont en congé et ils reçoivent un lot de terrain. Dans la région, c'était une demi-centurie, c'est à peu près 25 hectares qu'on donnait aux soldats à l'époque. Alors, il y avait des Italiens, sans doute, mais il peut y avoir des Gaulois ou des Espagnols qui ont été installés. Alors, habituellement, la procédure, c'est que Rome, elle fonde une colonie. Ce qui s'est passé à Douga, au départ en tout cas, c'est que ces colons ont été possessionnés de façon individuelle. Il n'y a pas eu création de communauté à Douga, au départ. Et ça s'est organisé. Lorsque Auguste a pris le pouvoir, en 27, ça s'est organisé et les colons de Douga ont été rattachés directement à la colonie de Carthage. C'est devenu des citoyens de Carthage.
nous en arrivons là, cette situation un peu bizarre, qui constitue un quartier de Carthage à peu près 100 km de Carthage. Ça s'appelle le Pagus. Du coup, c'est la fameuse commune double. Hein, quand on parle de Doga, là on dit que c'est une commune double. Elle est composée de gens romains ou citoyens romains et de gens non romains, du moins au départ. C'est une situation qui est inédite. On ne la trouve pas ailleurs qu'en Afrique et dans le pays de Carthage, de Kirta et de Sica. Vraiment, on ne la trouve qu'en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Bien sûr, on trouve des quartiers comme ça ailleurs, mais c'est toujours dans le territoire direct de la colonie, pas éloigné de la colonie. Cette situation donc, de Pagus éloigné et de la colonie mère éloignée, il oblige les magistrats de Carthage à se déplacer régulièrement à Douga. Et on l'a ici, c'est d'où la chance que je dis. Et la première chose qui a été faite à Douga, c'était l'aménagement du forum. Vous avez là les différentes phases du forum de Douga. 8 phases en tout, hein, mais essentiellement 4 ou 5, mais en tout cas 8 phases, qui ont conduit le forum de Douga en haut à gauche de l'agora numide ou du forum numide, où on ne dénombre que le célèbre dit sanctuaire ou marques de Massinissa, en haut en noir, avec d'autres bâtiments, parce que le forum, il contenait sans doute ce Marques, mais d'autres bâtiments. On sait qu'il y avait un temple de Saturne dans les environs du forum, mais on a du mal à les localiser. Voilà, ça c'est une restitution 3D du forum de Douga à l'époque de Tibère, entre 14 et 37. Ça, c'est le gros chantier où on dénombre la construction de 2 arcs. Donc, il était comme ça, hein, le forum. Très probablement comme ça. Hein. Le temple de Tibère au fond. Observez qu'il y a une différence de nivelé entre le temple de Tibère très en bas, hein, qui occupe une position très inférieure, par rapport au reste du forum. Et là, sans doute à gauche, le temple du culte impérial dont on a parlé. Donc, vous voyez comment il était, le temple, son portique, bien sûr, le capitaux n'y est pas, le marché n'y est pas, la rose des vents n'y est pas, etc. On sait tout ça grâce à ce beau texte. C'est ce beau texte qui nous dit, voilà, qui a fait et qui n'a pas fait, et c'est ce beau texte qui nous précise clairement que c'est un magistrat de Carthage qui est venu à Douga pour construire à ses frais le forum de Tibère. L'autre, voilà, ça c'est le forum qui s'est agrandi sous Antonin Lepuy. Le gros chantier de l'époque sous Antonin, c'est-à-dire il a fallu quand même plus d'un siècle, hein, le forum est resté comme ça, plus d'un siècle, et puis on a ce chantier, c'est-à-dire en rouge, la construction du portique du forum sous Antonin, entre 138 et 161. La différence ici, c'est qu'on connaît celui qui a construit le bâtiment, et c'est un type qui est originaire de la cité. Alors, imaginez un petit peu, un type originaire de la cité pérégrine, il n'est pas concerné par la communauté romaine, qui paye l'agrandissement du forum de la communauté romaine. C'est la grosse question, en fait, et on dit pourquoi. Alors, il faut bien sûr maintenant revenir un petit peu en arrière. Je l'ai dit, nous avons d'un côté, nous avons 2 communautés, et quelque part, on voit la communauté pérégrine, qui a été d'abord déclassée, retrouver la dignité de cité. À quel moment, on ne le sait pas.
Mais on sait qu'au plus tard, au milieu du 1er siècle, elle est citée, elle a retrouvé la dignité. Et là, on est en mesure de se poser la question, pourquoi Rome, on dit Rome est généreuse, etc. Je suis à peu près d'accord, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Pourquoi Rome a-t-elle élevé la communauté indigène au rang de cité? Il y a bien une raison, ce n'est pas de la générosité gratuite. Il faut bien qu'on sache pourquoi. D'abord, les Tougansès, c'est sûr qu'ils se sont battus. Lorsqu'il y a eu ce déclassement, ils ont certainement conduit des ambassades auprès du gouverneur pour présenter des doléances, parce que c'est une situation bizarre, ils sont comme étrangers chez eux. Donc, ils ont dû conduire des ambassades auprès du gouverneur et demander à ce que leur dignité soit restituée. Et ils ont réussi, en tout cas. Mais pourquoi Rome? Rome avait tout intérêt à ce qu'il y ait à Douga une cité. Qu'est-ce que ça veut dire, une cité? Ça veut dire des magistrats, ça veut dire un territoire, ça veut dire un budget. Et c'est ça, le contrepartie. On vous donne la dignité de cité, mais vous contribuez à financer les chantiers publics, aussi bien de la cité que de la communauté romaine. Et les gens de la cité, c'est eux qui ont fini la construction du forum. C'est eux qui ont financé par la suite tous les chantiers du forum. Et il faut imaginer Douga à l'époque. Il faut imaginer Douga en 1946, il n'y avait ni terme, les termes publics et la civilisation numide ignoraient ce type de monuments. Les aqueducs, les fontaines publiques, on les ignorait. Donc, il fallait au moins rendre vivable ce cadre urbain pour les Romains qui sont là. Ça, alors, l'autre kiff-kiff, ça, c'est sous Marc Aurèle, entre 168 et 169, qu'on assiste à la construction du Capitole. Également par des gens qui sont originaires de la cité indigène. Le beau Capitole. Oui, alors un petit retour. Alors, je ne sais pas si ça s'en lit bien, mais c'est une inscription qui date du milieu du 1er siècle, et c'est grâce à elle qu'on sait que la communauté pérégrine est devenue cité. Et pour unir un peu les deux, dès le début, on a imaginé une institution originale qu'on ne rencontre qu'à Douga, qui est le patronat de la double communauté, patron du pagus et de la cité. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc je vois, mais ce n'est pas très loin. En tout cas, à l'avant-dernière ligne, on lit « et civitatis ». Et juste avant, on lit « patrono pagi et civitatis », patron du pagus et de la civitas. Alors, ça, c'est un texte. Et au fait, depuis leur élévation au grade de cité, les gens de Douga n'ont jamais accepté, au fait, ni la colonisation, ni la division. Et ils ont très, très tôt lutté contre cette division, et très tôt, ils ont menacé, entre guillemets, menacé de fusion la communauté romaine qui vivait là-bas. Et donc, dès le départ, dès le milieu du 1er siècle, les gens de Douga ont entrepris les démarches diplomatiques, il y a eu même des ambassades à Rome, pour demander que les deux communautés soient à nouveau réunies. Et cette inscription-là est très intéressante, mais à condition qu'on l'explique, elle nous apprend deux choses. Elle nous apprend que les Carthaginois avaient l'immunité fiscale, donc contrairement aux gens de la cité, eux qui ne payaient pas les impôts, et que la cité, et c'est une dédicace à quelqu'un, pour le remercier d'avoir sauvé cette immunité. Si quelqu'un a sauvé l'immunité, c'est que cette immunité a été menacée. Et si elle a été menacée, c'est qu'elle a été menacée par les gens du coin. Il ne faut pas aller chercher une explication ailleurs. Il faut toujours trouver une explication locale
au document. Donc, et là, on est sous Trajan. On est donc entre 98 et 100, et 117. Donc, très tôt, la communauté pérégrine a commencé par entreprendre les démarches diplomatiques pour retrouver l'unité d'autrefois. Ça, c'est la fin, pratiquement, le deux derniers gros chantiers du quartier du Forum. Le temple de Mercure, au milieu de la place de la Rose des Vents, le portique de la place de la Rose des Vents et l'agrandissement du marché. Tout cela s'est fait sous commode également aux frais d'un type qui est originaire de la cité pérégrine. Vous avez là une vue donc, de l'ensemble du Forum et de son quartier. Et là, vous avez une dévocation due à Jean-Claude Golvin du quartier du Forum et de ses environs immédiats. Alors, comme je l'ai dit, les gens de la cité voulaient absolument réaliser cette fusion. Et après le chantier, après la fin du chantier sous commode et l'agrandissement du quartier du Forum, on peut imaginer qu'ils sont allés à Rome et demander la fusion ou demander la promotion municipale. C'était au temps de Commode. Et ils sont allés, je crois, à Rome, au temps de Commode, mais Commode a refusé leur demande. Et ce document-là, c'est un document qui émane d'une minorité de Douga, qui célèbre Commode comme sauveur du Pagus. S'il a sauvé le Pagus, je reviens toujours à la même chose, c'est qu'il y a eu une menace, mais là, l'empereur a décidé de sauver la communauté romaine, donc il a dit non aux gens de la communauté pérégrine, et ça, c'était attendu. Parce que lorsque, vous savez, de Trajan à Commode, c'est la même famille impériale, c'est la famille des Antonins. Lorsqu'un empereur de la même famille décide de maintenir un privilège, c'est très, très difficile de voir ses descendants agir contre son avis. Donc, c'était attendu que Commode refuse ou aille dans le même sens que son arrière-grand-père par filiation fictive, hein, parce que ce n'est pas vraiment son père. Et observez les deux textes. Ça, c'est un hommage à un empereur. La pierre, elle fait 30 cm sur à peu près 25. Elle est mal écrite pour un hommage à un empereur. Et tout cela veut dire qu'on a mis très, très peu de moyens pour la faire. Et tout cela veut dire que la démarche est très discrète. Et tout cela veut dire aussi que si on a placé quelque chose sur cette pièce, ça devait être une statuette, pas une statue. Et si, à peu près à la même période, vous comparez l'hommage à l'empereur avec l'hommage à un notable local, vous voyez quand même la différence, hein, la qualité de la pierre, la qualité de la gravure, etc. Donc, ça veut dire qu'on était réellement dans un climat de tension caractérisé par cette course vers l'Union et par le sabotage de l'Union. Pardon. Alors, les gens de la cité, là, ils profitent parce que tout de suite après Commode, c'est un changement de dynastie. C'est Septime Sévère qui est à la tête de l'Empire. Et Septime Sévère, eh bien, c'est un Africain, Wildeblood, tout simplement. Et là, ils ont décidé de profiter de l'avènement de Septime Sévère. Et les gens de la cité agissant seuls, hein, parce qu'auparavant, ils agissaient souvent ensemble. Mais là, ils agissent seuls et ils ont rendu une série d'hommages à toute la famille de Septime Sévère, à l'empereur en personne, à son fils et corégent Caracalla, à Geta et à sa femme. Et à Plotien, qui est son général, mais c'est surtout à la fille de Plotien, qui est la fiancée de son fils, Clotilde. Donc, ils ont fait, c'est ce qu'on appelle une vraie politique agressive. Voilà. C'est vraiment une politique agressive. Faire des hommages à l'entourage
à l'ensemble de l'entourage du prince, eh bien, ils ont réussi parce que en 205, ça y est, hein, la division a été interrompue. En 205, c'est le municipe de Douga qui est créé. Hein, et il n'y a plus, bien sûr, de pagus et de communes doubles. Lorsque le municipe est créé, on a fêté l'événement par l'édification de l'arc de Septime Sévère. Donc, comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a un événement pour la cité, c'est le moment de construire quelque chose, un bâtiment ou un monument. Alors, je ne sais pas si on peut lire, mais cette inscription-là, elle a été découverte, elle décorait l'arc de Sévère Alexandre. L'arc de Sévère Alexandre a été construit entre 222 et 235 pour célébrer aussi un événement. Et l'inscription, celle-là, elle qualifie l'empereur de conservateur de la liberté. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire conserver la liberté? C'est que cette liberté, nouvellement acquise par le municipe, a été menacée. Donc, même après la promotion, les gens de Carthage, parce que la promotion, un empereur peut dégrader une cité, à condition, soit pour la punir, mais ce n'est pas le cas, ou qu'une partie des gens demande le retour en arrière. Cela s'est produit pour Préneste en Italie, qui était colonie et qui a demandé à Tibère de la ramener au rang de municipe. Donc ça peut arriver. Les gens de Carthage, et peut-être une minorité à Douga, ont tenté effectivement d'annuler la promotion. Ça n'a pas marché, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, on a fait l'arc de César Alexandre, qu'on qualifie de sauveur de la liberté, c'est-à-dire sauveur du municipe, sauveur de l'union. Parce que ça a été perçu ainsi par les gens de Douga, la promotion a été perçue comme une libération. Hein. Et c'est bon, et même après, il fallait me le dire, et même après, mais bon, c'est bon, mais on peut arrêter, hein, je crois que j'ai fini. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'histoire de Douga est une histoire pour lutter contre la division et pour obtenir la liberté. Même après la fusion, il y a eu quand même des menaces contre cette liberté. Voilà, merci. Donc, la parole maintenant, c'est Bill. Je peux partager mon écran? Oui, s'il vous plaît, Madame Véronique. S'il vous plaît, vous pouvez partager votre écran. Est-ce qu'elle elle nous entend là? Très bien. Oui, oui. Bonjour, Rime. Bonjour, bonjour, Véronique. Ça va? Très bien. Très bien. Donc, on enchaîne avec la deuxième communication. Vous voyez bien le PowerPoint? Oui. À l'écran? Alors, ils vont le mettre à l'écran à l'instant. Donc là, on passe après le programme. Allez, on va passer à la conférence de professeur Dominique. Véronique, pardon, Brouquier, qui est archéologue au CNRS à Paris en France, et donc elle va parler des espaces funéraires. Donc, Véronique, votre communication, elle va être en français ou en anglais? En français. En français. Donc les slides sont en anglais et c'est en français. Donc sur les espaces funéraires de la région de Douga. Je vous laisse faire les slides. Véronique, vous avez une trentaine de minutes pour la communication. Oui, je serai un peu plus brève parce que je croyais qu'il y avait des discussions. J'adresse mes plus vifs remerciements aux organisateurs de cet atelier
au porteur du projet tuniso-franco-allemand sur l'approche multidisciplinaire de l'ADN ancien sur le site archéologique de Douga, aux membres de la Fondation Agia de l'avoir retenu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être des vôtres. Le site de Douga est classé sur la liste du patrimoine mondial. Excusez-moi, j'ai un problème d'écran. Voilà. En 1997, il est situé donc à 100 km au sud-ouest de Tunis. Le début de la recherche sur les espaces funéraires et cultuels commence en 1876 avec les travaux du docteur Louis Carton. Il s'agit essentiellement de découvrir les vestiges architecturaux et le mobilier, céramique, monnaie. Les restes osseux ne sont pas étudiés. Au début du XXe siècle, Louis Poinceau s'intéresse à l'épigraphie latine et rassemble une multitude d'épitaphes avec une description réduite des tombes et sans étude des restes osseux. Alfred de Merlin, en 1927, et Claude Poinceau, en 1955, fouillent le sanctuaire de Saturne. À partir de 1992, Douga fait l'objet de plusieurs programmes internationaux. Le programme tuniso-français Petrae Douga dresse l'inventaire des inscriptions latines, dont 1617 épitaphes. Un choix de 162 inscriptions retrace la vie politique, religieuse et quotidienne des Douganais. Le programme tuniso-allemand porte sur Douga numide et romaine à partir de l'étude du forum, des maisons, de l'enceinte dite numide et de la nécropole du Nord-Ouest. Le second projet tuniso-français, Douga architecture religieuse, livre une importante analyse d'une vingtaine de sanctuaires et du centre monumental depuis la construction de l'agora, puis celle du forum jusqu'à l'édification de la forteresse byzantine, comme vous l'a montré Samira Ounala. Une carte archéologique du territoire de Douga et une enquête sur l'aqueduc d'Ain El Hammam ont été élaborées lors de la prospection tuniso-italienne Russe Africom. Le programme tuniso-français actuel porte sur la périphérie du site pour étudier les traces de l'occupation punico-numide, les transformations romaines et postérieures des limites de la ville à partir de la fouille de monuments funéraires et cultuels. Il est co-dirigé par Samira Ounala et moi-même. C'est une équipe pluridisciplinaire qui a publié entre autres un dossier dans la revue Antiquité africaine 56 en 2020. Fatma Touche et Solène de Lermina présenteront leurs recherches respectives sur les ossements de la Basina 55 et sur les crémations des périnataux dans l'ère de Saturne. Olfa Damak exposera ses travaux archéométriques sur la céramique pré-romaine des Basina de Douga. Nous empruntons certains résultats aux autres spécialistes de l'équipe dont les noms sont cités sur le diaporama. Les espaces funéraires s'étendent, sauf exception, à la périphérie du site et montrent une grande continuité depuis la fin de la préhistoire ou l'époque protohistorique, la période punico-numide, la période romaine, l'antiquité tardive, en particulier l'époque vandale ou byzantine précoce, jusqu'à l'époque islamique. 34 dolmens sont implantés essentiellement dans la nécropole du Nord-Ouest, sur les affleurements rocheux de la falaise, mais aussi en contrebas de celle-ci. Deux sépultures entourées de pierres appartenant sans doute à des dolmens ont été fouillées au sud des Hospitalia du Trifolium. Elles sont datées de 1892-1536, et 1744-1520, Col Bissi. C'est la première étude anthropologique réalisée à Douga et menée par l'équipe allemande et publiée en 2015. Les dolmens de la nécropole du Nord-Ouest sont à chambre unique ou plus rarement à chambre double et peuvent être précédés d'un couloir.
Ils ont été réutilisés à l'époque d'une économie d'après le mobilier décrit par les fouilleurs du XXe siècle. Tous les ossements et le mobilier ont disparu. L'établissement de TBGG, qui est le toponyme libyque, comme vous l'a expliqué Samir Onala, cet établissement d'une superficie de 23 hectares s'est installé sur un plateau interrompu par une falaise au nord et qui descend en pente vers le sud. Deux sources d'eau, l'Ain Mizerb et l'Ain Doura, la présence de matériaux et la fertilité de la vallée de l'Oued Raled expliquent le choix du lieu. Les traces les plus anciennes de l'occupation ont été repérées au sud et au nord du site, essentiellement des monuments funéraires. Diodore de Sicile atteste l'importance de Toucaï au IVe siècle avant Jésus-Christ, datation qui est actuellement confirmée d'après les études en cours par la présence de monnaies de Carthage et d'importations d'amphores et de céramiques de Campanie et de Sicile. Le mobilier céramique des trois siècles précédant l'ère chrétienne est cependant plus fréquent. Huit tombes de plan circulaire appelées basina sont construites entre les dolmens, dans la partie orientale de la nécropole du Nord-Ouest. Ces tombes sont entourées d'un tambour et ont conservé leur division interne. Une chambre principale ouverte vers le sud-est et des chambres annexes construites dans un second temps. Sept basina construites en moyen âge pareil ont fait l'objet de dégagements entre 1996 et 2000 et ont livré de la céramique modelée. La basina 55 était recouverte par des tombes romaines. Ceci explique son bon état de conservation. Elle est construite en grand appareil et mesure 6,25 m de diamètre et est conservée sur 1,25 m en élévation. La chambre principale, de plan rectangulaire, est accessible par un couloir peu profond. Un seuil marque la limite avec le sol de la chambre en mortier de chaux peint en rouge. La chambre 2 est précédée en haut et précédée d'un couloir. Les trois chambres annexes étaient accessibles par des portes, dont seule la porte de la chambre 2 est conservée. Les chambres sont remplies par des amas osseux, que va vous présenter Fatma Touche. Des bols de deux modules en céramique modelée sont empilés les uns dans les autres, dans la chambre 2 et dans la chambre 4. La céramique, mais aussi les monnaies, précisent la datation d'utilisation de cette tombe. La plus ancienne monnaie trouvée à ce jour, la monnaie D, datée de la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, provient d'un atelier sarde. L'achèvement de la fouille permettra de préciser la date de construction de cette tombe. Le troisième type de monument funéraire est illustré par le célèbre mausolée libico-punique à trois étages, deux étages avec un ordre éolique et un étage avec l'ordre au milieu ionique, qui s'élève dans la nécropole du Sud. L'inscription bilingue en punique et en libique, RIL 1, ne livre ni le nom du défunt ni la date précise de sa construction. D'après l'écriture horizontale, identique à celle de l'inscription bilingue du Maktès de Massinissa, RIL 2, elle pourrait dater du règne du roi numide Nisipsa, 149-118 avant Jésus-Christ. Ce type de tombeau turiforme a été découvert en 2016 à la nécropole du Nord-Ouest. Ce mausolée, d'un motile plus petit que le mausolée sud, a été entièrement démonté jusqu'à son soubassement, qui comprend 4 degrés, qu'on appelle une crépisse, d'après les remplois et blocs dans les remparts byzantins et médiévaux. Des éléments de son élévation gisent au pied du tombeau,
dont un bloc d'angle décoré d'un chapiteau éolique et des corniches à gorge égyptienne. Ce mausolée devait comporter au moins 2 étages. Vingt-sept tombes de forme quadrangulaire et de 4 à 6 mètres de côté s'intercalent entre les domaines et les basinas dans les nécropoles du Nord-Ouest. 4 d'entre elles, partiellement dégagées en 2002, sont placées autour de la basina 55. Les 2 espaces funéraires pré-romains continuent d'être utilisés à l'époque romaine et 3 nouvelles nécropoles sont installées à l'ouest, au sud-est et au nord-est, en vert sur le plan. De nouveaux types de monuments, des stèles, des sites, marquent l'emplacement des urnes. Au sud-ouest, à flanc de colline, un columbarium accueille les sépultures de la famille des Rémilly, placées dans des auges inscrites. Parmi toutes ces tombes, peu d'entre elles ont été fouillées. Aucune étude anthropologique n'a été réalisé, à l'exception d'un ensemble de 3 urnes marmites, dont 2 signalées par des stèles inscrites fouillées en 2002. La documentation photographique a permis de reconstituer en 2018 l'ensemble funéraire avec l'une des tables d'offrande, Mensa. Une discordance de l'âge des défunts a été constatée entre les analyses anthropologiques et l'âge indiqué sur les stèles. Le mobilier céramique, en particulier les lampes, donne une datation entre le milieu du IIe siècle et le IIIe siècle. La nécropole du Nord-Est est fréquentée à l'époque chrétienne, en haut, à l'époque chrétienne, et de nombreux sarcophages sont installés dans l'hypogée et l'église de Victoria, dont le sarcophage inscrit est conservé dans la crypte. Certaines tombes reçoivent une couverture en mosaïque. Aucune sépulture n'a été étudiée. À l'intérieur de l'espace urbain romain, 10 tombes en ciste, une famille composée de 2 adultes, d'un adolescent et de 6 immatures, datées de l'époque vandale ou byzantine précoce, entre la fin du IVe et le milieu du VIe siècle, d'après l'analyse radiocarbone, ont été installés au sud des Hospitalia du Trifolium. Ces squelettes ont été étudiés et publiés en 2015 par l'équipe allemande. La plupart des temples urbains ont été étudiés et publiés dans le cadre du précédent programme tuniso-français, en mauve et vert sur le plan. Plusieurs sanctuaires mal connus sont installés à la périphérie, aux limites de la ville romaine, en rouge sur le plan. L'enquête archéologique livre des données sur la période pré-romaine, l'évolution architecturale et leur date de construction. Le sanctuaire de Minerve II, numéro 2 sur le plan, et le cirque, numéro 1, sont implantés respectivement sous Antonin le Pieux et en 225 dans la zone funéraire du Nord-Ouest. Dans la nécropole de l'Ouest, celui de Célestis, numéro 14, déjà étudié, est daté de Sévère Alexandre entre 222 et 235. Les sanctuaires de Rechnem, numéro 12, non daté à ce jour, est placé à la limite urbaine occidentale, et celui de Minerve 1, 33, daté de la fin du 1er siècle, situé au sud, ont été recoupés par le rempart médiéval, numéro 5, dont la datation reste à préciser. Le sanctuaire anonyme, numéro 47, s'élève à proximité du mausolée sud, sans doute installé au-dessus d'un nécropole pré-romaine. Au nord-est, le sanctuaire de Saturne fait l'objet d'une recherche pluridisciplinaire depuis 2017. Le sanctuaire de Saturne, le grand dieu africain, se situe à l'écart de la ville, en contrebas de la falaise. L'évolution du lieu de culte est définie en 5 phases. La phase 1, en jaune, correspond à l'ère à ciel ouvert, dont il reste à déterminer la date d'installation, sans doute au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, d'après le matériel que nous avons trouvé en octobre 2021. À la phase 2, en vert, le premier sanctuaire en pierre installé sur la plateforme rocheuse est sans doute daté de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. La phase 3, en rose, comprend l'agrandissement de la cour vers l'est qui nécessite la construction de 5 citernes, dont 3 sous la cour
et deux sur le portique nord. Cette phase est datée de 195 par l'inscription de la frise des portiques. La phase 4 en bleu ajoute le chalcédicum, c'est-à-dire une galerie précédée d'un portique à l'est, datée sans doute du début du IIIe siècle. La phase 5 voit le démontage de la colonnade et le remploi des bases et des chapiteaux pour la construction de l'église de Victoria édifiée sur la terrasse en contrebas. Louis Carton, dégageant en 1892 le monument, émit en évidence l'existence d'une aire contenant des stèles votives fichées en terre et des vases cinéraires à l'extérieur du sanctuaire vers le nord. Plusieurs inscriptions puniques précisent le nom du dieu honoré, Baal Amon, le dieu punique qui fut assimilé à Saturne à l'époque romaine. Alfred Merlin effectue en 1927 au centre de la cour un sondage agrandi en 1955 par Claude Poinceau. Celui-ci y découvre des stèles adossées aux rochers et recouvrant des urnes qui contenaient des ossements animaux, dont des rongeurs selon son interprétation. Les ossements, la céramique et de nombreux fragments d'inscriptions néopuniques des fouilles anciennes n'ont pas été retrouvés. Une partie de la collection de stèles des stèles votives a cependant été conservée et en cours d'étude. L'équipe a réouvert ce sondage depuis septembre 2017. Les restes de l'aire sacrée, phase 1, sont conservés entre le substrat rocheux sur lequel reposait la cour du premier temple en pierre, phase 2, les élévations des citernes construites en 195 pour agrandir la cour, phase 3. L'aire sacrée est directement installée sur le substrat rocheux composé de calcaire numidique qui présente des replats en léger dévers et des parois lisses. Chaque replat ou chaque anfractuosité du rocher devait être utilisé pour déposer une ou plusieurs urnes cinéraires et des stèles. Malgré l'étroitesse de l'espace conservé, plusieurs stèles et vases cinéraires étaient conservés in situ et remplis d'ossements de périnataux et de jeunes caprinés. Sous l'élévation de la citerne 2, deux urnes scellées par une panse d'amphore et par une terre cuite étaient recouvertes par une stèle de Saturne qui porte une dédicace latine martelée. Cette stèle a sans doute été déplacée lors de la construction de la citerne. Contre le substrat, trois stèles, dont deux de style néopunique, étaient encore en place. Elles recouvraient trois urnes. Sur l'un des replats est adossée à la paroi rocheuse une stèle précédée d'une mensa indiquait la présence d'une urne calée par des pierres et placée devant elle. Entre le rocher et le radier du caniveau nord de la cour, plusieurs urnes cruches, scellées par une pierre, par une panse d'amphore retaillée, calées par des pierres ou logées contre le rocher, contenaient des périnataux et des jeunes caprinés, ou uniquement un capriné, comme va vous l'expliquer Solène de l'Hermina. La fouille et l'étude du contenu de ces cruches ont commencé et seront poursuivies en septembre-octobre 2022. La plupart des stèles sont en épigraphe. Toutefois, certaines portent des inscriptions en néopunique et ou en latin, mais en latin, jamais le dieu n'est mentionné. Elles sont donc le dieu Saturne, jamais mentionné sur les inscriptions de Douga, sur les stèles votives. Elles sont décorées de motifs dont le signe de titanique évolue vers une anthropomorphisation et représente également des animaux du sacrifice, taureau, bœuf, mouton. Les stèles portent des traces de couleur rouge visibles à l'œil nu.
mais d'autres couleurs ont été révélées par la lumière blanche. Les urnes cinéraires sont des cruches à deux anses fabriquées localement. Trois types et plusieurs variantes ont été distinguées par les céramologues. Une grande quantité de vases à parfum, Bunetaria, classés en deux groupes et variantes, également de fabrication locale, provient de la couche de destruction. D'autres catégories de vaisselles ont été identifiées, bols en parois fines, lampes en forme. Voici un panorama rapide des travaux anciens et des travaux en cours sur les espaces funéraires et religieux de Douga, qui complète, je l'espère, votre visite sur le terrain. La recherche pluridisciplinaire par les méthodes utilisées et protocoles appliqués a fait progresser nos connaissances sur les rites et pratiques funéraires et cultuelles de Douga, comme vont vous l'expliquer Fatma Touche et Solène de l'Hermina. Les analyses de l'ADN ancien permettront de mieux définir le faciès de la population ancienne de cette ville. Quelques références bibliographiques parues sur les résultats obtenus depuis 2017 sont mentionnées sur cette dernière diapositive. Je vous remercie. Pardon. Véronique, tu m'entends? Oui. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ta présentation. Ce que je disais, c'est que nous aurions aimé que tu sois avec nous aujourd'hui, mais pour des aspects administratifs et tout ça. Donc, espérons qu'on aura l'occasion de se voir prochainement dans le cadre de ce projet-là. Et donc, pour les questions, on va prendre les questions pour les deux premières communications, celle de professeur Aounallah et de professeur Véronique. Donc, si vous avez des questions, assistance. Bon, allez, je vais ouvrir le bal, je pose une question. Si c'est Mir, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un déclin de la cité dans différentes époques. Et donc, comment vous pouvez expliquer justement à une certaine époque il y a ce déclin, il y a cette pression, alors que des fois, c'est sur des siècles qu'il y a une belle cohabitation entre les différentes civilisations? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question... En faisant la visite hier du site, on a vu qu'il y a la position géographique de la cité, elle est très importante, notamment avec des montagnes aux alentours qui protégeaient. Est-ce que, d'après les documentations, tout ce que vous connaissez sur le site, est-ce que cette position géographique a joué un rôle dans dans l'implantation ou dans la survie ou dans le pouvoir de la ville? Voilà. Oui, alors, pour toute installation, surtout lorsque le site grandit de petits rassemblements humains à ville, il faut souvent soit de l'eau, qui est le plus important, et maintenant une construction. Et deux facteurs qui sont déterminants dans la constitution, disons, dans la constitution du milieu. Les facteurs défensifs peuvent jouer. C'est surtout l'eau, les gens ont besoin surtout de l'eau, mais surtout la période de construction. C'est le plus important pour la construction. Pour la cohabitation, oui, bien sûr. La cohabitation, ça a marché, ça n'a pas marché, et on comprend aussi pourquoi ça ne marche pas. Parce que les gens, ils voulaient leur indépendance, c'est comme de tout simplement. Et ils voulaient surtout que la justice cesse. Parce que ça n'a pas de sens qu'il y a la moitié de la ville qui a l'immunité fiscale et qu'il y a aussi l'immunité des charges municipales donc, qui n'en payent rien. C'est eux, les pauvres, qui payent tout. Et donc, c'est tout à fait normal. Ils avaient demandé à ce que cette injustice et à ce que cette égalité elle s'arrête. Maintenant, pour le déclin de la ville à partir de la fin du 4e siècle,
Il s'explique surtout par le fait que l'IGA est situé dans une position un petit peu décentrée, un petit peu éloignée des grands axes routiers. D'accord. Ouais. Il y a une bifurcation. Si on compare sa position avec celle de Bosch, on a une bombe de modèle. Eux, ils sont sur la pelle en état de la tâche de l'Est. Donc, on parle quoi. Ou encore, on vit comme sous-sec, comme Zabon, ça, c'est des vies qui, grâce à la position normative, n'ont jamais cessé d'exister. Au contraire, elles ont profité du déclin de l'intérieur pour devenir de grosses modèles, de grosses métropoles. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces clarifications. D'autres questions pour Véronique? Alors, c'était tellement clair. Voilà, il n'y avait pas de questions. Ben, oui, oui. Bien sûr, c'est l'occasion. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier mes collègues. Et les organisateurs, et consacrés à l'ADEGA, et cette coopération que nous avons considérablement oui. Pour ces nouvelles recherches, qui sera à mon avis, c'est la première fois que les études approfondies sur les géologiques, sur les consacrées à cette période-là, et je pense que vous allez apporter beaucoup de choses, et que nous sommes. Et nous attendons ces résultats. Les deux communications qui introduisent cette journée sont très intéressantes, qui nous donnent une idée sur l'histoire. Juste une question pour Véronique. La discordance entre l'âge mentionné sur les scènes, pour les inscriptions, et là, c'est déterminé par l'analyse. Ça, c'est à mon avis, moi, c'est une nouveauté. Je n'ai jamais entendu parler de cette discordance entre l'âge. J'avais cru, moi, quand l'âge est mentionné dans la description, l'âge approximativement juste. Et là, maintenant, j'apprends qu'il y a une différence. Combien d'années de différence ? D'accord. Est-ce que les analyses scientifiques, vous pouvez apporter, vous pouvez déterminer l'âge exact. D'accord. Donc voilà, c'est une question qui est. Véronique, est-ce que tu as entendu la question? On n'entend pas. Voilà, j'ai mal entendu. Oui, voilà. J'ai mal entendu la question. Tu peux me... Oui, je vais la reprendre pour toi. OK. En fait, la question, c'est qu'il y a des discordances entre l'âge qui est mentionné dans les inscriptions et l'âge donné par les analyses. Comment tu peux expliquer ces discordances? Est-ce que ces analyses sont bien, on va dire, entre guillemets, justes ou bien il y a eu des erreurs? Ou s'il y a des différences, c'est combien d'années? Voilà. C'est Solène de l'Hermina qui peut mieux répondre à cette question puisque c'est elle qui a fait l'analyse anthropologique. Et donc, je ne sais pas si on peut la mettre en ligne et qu'elle réponde à la question. Et c'est expliqué, en fait, dans le dossier qu'on a publié dans Antiquité africaine, dans le troisième article sur la nécropole romaine. Donc, je ne sais pas si Solène peut répondre. Voilà, elle se met à l'écran. Elle est là. Donc, voilà, votre micro est activé, Solène. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue avec nous à cette journée scientifique en ligne de France. Merci beaucoup. J'aurais préféré être avec vous aujourd'hui, mais en tout cas, vraiment, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir convié. Donc, pour répondre à la question, j'ose espérer que mes résultats sont justes, mais en effet, il est certain que sur les stèles, on a un âge très précis qui est mentionné, alors que les études anthropologiques ne permettent pas
notamment pour les adultes, mais aussi pour les enfants, mais on a une plage d'âge qui est un peu plus restreinte pour les enfants, mais pour les adultes, il est très difficile de donner un âge, on est obligé de donner de grandes plages d'âge pour l'estimation. Ce qu'on peut voir, en effet, dans tous les cas, quand on étudie les âges qui sont mentionnés sur les stèles, c'est que souvent, il y a soit trop de précision, c'est-à-dire que même nous, actuellement, il va être difficile de dire qu'on est à quelle heure on est décédé, combien de temps nous avons vécu, etc. Et on voit qu'il y a des multiples de 5 qui arrivent, qui sont mentionnés régulièrement, etc. Donc en fait, souvent sur les stèles, on veut mentionner que la personne est âgée et décédée de âgée, etc. Donc voilà. Donc on a des petites, on a des différences. Il n'y a pas de, comment dire, d'incompatibilité totale entre le défunt et ce qui est mentionné dans la stèle, mais ça, ce sont des analyses, ce sont des observations qu'il faut continuer à réaliser, notamment parce que parfois à l'intérieur, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant sur Douga, mais bon, c'est deux exemples, mais parfois on va pouvoir retrouver deux individus à l'intérieur de l'urne alors qu'il n'en est mentionné qu'une seule, et il peut vraiment y avoir parfois de grandes différences d'âge, ce qui n'est pas le cas ici à Douga. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de faire des analyses et avoir beaucoup d'informations, que ce soit par les inscriptions ou par les analyses physico-chimiques ou par d'autres types d'analyses, pour avoir le maximum d'informations et construire le paysage. Mais c'est très intéressant ce qu'on apprend aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qui est important pour les personnes qui vont demander de faire cette inscription, qu'est-ce qu'il est important pour eux. C'est-à-dire qu'on va avoir des multiples de 5, on va dire oui, il est mort à 102 ans, 103 ans. Bon, on voit qu'actuellement, c'est déjà très difficile d'arriver jusqu'à la centaine d'années. Donc oui, on dit que les Africains avaient une espérance de vie importante, mais ce qu'il ne faut pas imaginer non plus, que c'est une centaine d'années à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, on va dire qu'il est mort à 102 ans, c'est vraiment pour mentionner le fait qu'il est vraiment mort âgé. Voilà. Et après, pour les enfants, alors là, on n'a pas d'exemple pour Douga, mais les enfants, par exemple, il est possible d'estimer un âge un peu plus précis. Et parfois, on va voir dans d'autres sites, pas en Afrique du Nord ni en Tunisie, que la différence, là, elle est vraiment très nette. Et pourquoi aussi ? Parce que les stades de l'enfance permettent une intégration progressive de l'enfant dans la société. Et donc, si on mentionne qu'il a 15 ans alors qu'en fait, il en a 10, ce n'est pas la même chose, évidemment. Donc, voilà. Donc là, c'est ça qui est intéressant, en fait, de voir la différence entre les deux. C'est combien il y a vraiment de personnes. S'il y a plusieurs personnes qui ont mentionné sur la stèle, et pourquoi, qu'est-ce qui va être important en fait de mentionner avec l'utilisation de cet âge précis que nous on ne peut pas connaître en faisant les études anthropologiques. J'espère que j'ai été claire. C'est clair. Oui. Très bien. Oui, il y a une deuxième question. D'accord. On a essayé de trouver le patron de Pologne. Est-ce que c'est une institution africaine, romaine? L'originalité, c'est que c'est un patronat. C'est ça, l'originalité. On a réuni les deux communautés sous le côté d'un patronat. Et ça veut dire que Rome a des soins. Maintenant, c'est l'Assemblée, c'est le gouverneur. Parce que vous avez cette situation bizarre, vous êtes responsable de deux communautés différentes. En général, on est responsable chez soi. Oui. Là, il est responsable de la cité. Et des responsables du quartier Carthage. Donc il faut que Carthage en sorte à la demande ou le gouverneur, et il faut que les nouvelles tournent le 7 pour voir les nouvelles gouvernements. Bien sûr, c'est ça l'originalité de cette institution. Mais déjà, les commissaires, les milieux des commissaires, on a imaginé ce rapprochement entre les deux. Ça, c'est vous, d'accord. C'est pas vous, d'accord. Mais c'est une conscience en Italie. Bien sûr, on ne peut pas dire la fondation.
La question était pour Sissémir, Solène et Véronique, donc c'était par rapport à l'originalité de l'institution et la cohabitation entre les deux civilisations. Voilà. Une question, Fabre. Il y a une question pour Sissémir encore. Fabre. Plusieurs informations sur l'histoire de la formation de l'institution au moment de la vie, par exemple, de l'héritage, on sait bien que c'est colonial entre les deux. Ça nous explique un peu les circonstances de l'institution. On remarque bien qu'il y a l'appellation libérée, c'est la liberté, par rapport à l'hégémonie de Carthage. Donc, ma question est de savoir si la communauté du Pacus a fait. Si la fusion ou l'émancipation a été retardée, c'est parce qu'elle a mis ces invitations-là pour Carthage. D'abord, le père de Carthage devient princesse et les gens quittent la citoyenneté carthaginoise. Ils deviennent tous princesses. C'est la raison pour laquelle il y a une tentative de saboter l'union à plusieurs reprises et même après l'union. Parce que, évidemment, Carthage est perdant à la perte de ses terres, qui était le plus pas les impôts, et elle a perdu des citoyens. Que ça veut dire des citoyens? C'est-à-dire des gens susceptibles de payer des impôts pour la vie, mais surtout des gens susceptibles de siéger dans la purée. Imaginez, d'un coup, Carthage, combien de gens ne peuvent plus aller siéger dans la purée de Carthage une fois cette pavie et cette colonie libérée? Voilà. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Alors, Véronique et Solon, on va prendre une pause café maintenant, nous, pour une vingtaine de minutes, et on reprend après. OK? Merci pour votre présence. Je vous invite à une pause café pour une quinzaine à vingtaine de minutes, et après, on revient à la salle.
Bonjour. Bon. Bonjour, vous voulez quelque chose? Oui, je voulais vous demander, parce que vous m'avez demandé d'envoyer une version enregistrée, mais je vois que Véronique a parlé en direct, donc je voulais savoir si vous préfériez passer l'enregistrement ou s'il fallait que... Pour nous, nous aimerions bien, donc, si vous voulez donc, intervenir directement. D'accord, c'est comme vous voulez, mais enfin, juste que je sois prépare, pas préparée, enfin, je suis prête, mais juste que je le sache un tout petit peu. Parce que honnêtement, nous avons prévu uniquement donc, une diffusion en ligne. Mais après, quand il y avait donc, des problèmes avec Madame Véronique pour l'enregistrement de son vidéo, donc, nous avons fourni ce lien Zoom pour permettre donc, à Madame Véronique donc, de faire la présentation en ligne. Donc, ça va être aussi le cas si vous voulez. D'accord, c'est comme vous le souhaitez. D'accord, si vous voulez, je fais la présentation en direct. Dans ce cas, il faudra juste me donner la main du partage d'écran et puis ça sera bon. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas déjà la main? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Partage d'écran. Oui, si, c'est bon. Ça va. Bien, excellent. Merci beaucoup. Donc, votre présentation, c'est juste après celle de Fatma Touj. OK, très bien. Excellent. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Bon, nous passons très rapidement donc à la, séance de fin de matinée avec Fatma Touche qui nous parlera d'études préliminaires anthropologiques de la Basina 55 de Bouddha. So, first of all, I'd like to thank the organizers of this workshop. The title of my presentation is Preliminary Anthropological Study of the Basina 55 of Dugga. There are preliminary results since the excavation and study of this monument are still in progress. There is a whole multidisciplinary team working on this monument. I'll just present the archaeoanthropological results. I divided my presentation into four main parts. The first one is an introduction of the funeral monument in question. And the second point, I will present the methods used for the study in field and in the lab. After, I will show the preliminary results of each funerary chamber. And finally, we have the conclusion and perspective. Introduction. The Basina 55 is a circular pre-Roman funerary monument, generally known as an immediate tomb, located in the northwest megalithic necropolis. The chronology based upon the pottery and coins is between the 3rd and the 1st century BC. The funerary monument was discovered by a survey in 1999 by a Tunisian-German team. In 2002, a Tunisian team excavated the upper levels. The results of this campaign are unpublished. In 2018, our Tunisian-French team took over the excavation of this monument. I will present the results of the archaeoanthropological study of spaces 1, 2, and 4, since the third chamber is very disturbed. In the three spaces, we have plural inhumation with the presence of few human burnt bones, which probably came from the human upper levels. The burials were in primary deposits since there is no sign of secondary inhumation as natural forces of erosion or sign of defleshing as cut marks or burning, and there is no selection of skeleton elements. All elements are present, even spoon bones. Methods. For the field methods, we followed Henri Dudet's recommendation for the archaeothanatological excavation of funerary spaces. In the three spaces, the human remains were disarticulated and commingled remains. So we used photographs of each path for the recording of the data with the numbering of each bone. We took as much information as possible from the field, as the identification of the bone, determination of the age category, the identification of the laterality, and the description of the appearance site. In the lab, each bone was studied individually with identification of each bone, stage of maturity, perinatal, immature, or adult, sex, and laterality. For the adult age at death estimation, we used several methods based on degenerative changes in pubic symphysis, auricular surface, sternal ends of rib, dental attrition, and cranial suture closure. It's depending on the nature of the bone in question. For the estimation of age at death of immature, we used dental development of and measurement from across the skeleton. This will allow us to calculate the minimum number of individuals and doing the pairing match in order to understand the spatial distribution of burials and reconstruction of individual when it's possible, study the composition by age and sex, and the presence of pathological lesions. During the excavation, we tried to follow protocol to preserve the bones from possible contamination. So we excavated with a protective lab coat, a buffed caps, surgical mask, gloves. We sampled petrous bone, which usually has the best preservation for human DNA. The petrous bone is a part of temporal bone.
We sampled an intact molar stool for pathogens and human DNA. We tried to choose intact tooth that's not broken and has no cracks. For the results, okay. The first burial chamber of the dromos is probably the first funeral chamber. The space was initially excavated by the Tunisian team in 2002. We took over the excavation and the study of the human remains from this funeral space. Indeed, we are in front of primary burial of individuals in secondary position. However, a few anatomical connections have been maintained, such as an immature upper limb and adult vertebra. Some organization can be seen in the chamber. In fact, along the left wall, skulls have been aligned, and along the right wall and in the center of the chamber, long bones have been grouped together. The floor of the chamber was painted in red. Some bones had the same color, same red color. In this chamber, we tried photogrammetry methods for the complex three-dimensional deposit to record the relative spatial deposition of skeletal material. The laboratory study allowed us to identify the presence of one perinatal, one immature, which is the age between 0 and 3 years, and one immature, which is the age between 4 and 12, and 3 adults. The second burial chamber, primary inhumation, and secondary position were identified. We can see from the pictures a sort of arrangement with the skulls in the side and long bones in the other side. In fact, in the chamber's northwest corner, 2 skulls of adults were discovered, and in the chamber's north wall, long bones were gathered. We identify from the laboratory study the presence of 2 immatures, which is the age between 0 and 3 years, and 2 adults and fragments of burnt bones. This first chamber is the most complicated to excavate, since several levels of bones and grave goods succeeded. The first level, Unity Stratigraphy 4001, shows a blackish layer with bones partially exposed to fire. We propose that the action of the fire is posterior to the deposit of the bones. Thus, we have primary deposit of adults and immature in secondary position. A few anatomical connections have been maintained, such as the vertebral column of a dog and the left femur epiphysis and diaphysis of an immature. For the organization inside the space, we noticed that the vases and the skulls were most often placed at the angles and the chamber walls, but also inside the space. No area was reserved to specific biological profile. The bones were mixed between adult and immature and between the different anatomical regions. For the MNI, according to the laboratory study, is 1 perinatal, 3 immature, which is the age between 0 and 3 years, 1 immature, which is the age between 4 and 12, and 3 adults. In the same space, we notices the presence of human bones inside some bowl. We try to look for a selection ritual for the deposit of bones in the 3 ceramic vessels. In fact, as you can see, no selection based on biological profile was made. The bones are from different anatomical regions belonging to immature and adult. In one of the vases, we found a skull of a young adult. From another, we found a leg bone, and from another one, a shoulder girdle. I have a problem with the slides. Paleopathological conditions were identified as dental pathology, osteoarthritis, physiological stress marker, and occupational stress marker.
The pathology lesions identified are typical and common, frequently identified in ancient human remains. For the dental pathology, we identified mostly caries, a focal demineralization and progressive destruction of dental hard tissues, and calculus that can be defined as a mineralized dental plaque. Those two lesions are usually related to diet rich in carbohydrates and also bad oral hygiene. Physiological stress markers that we identified are crebra orbitalia and dental hypoplasia. The crebra orbitalia is parotic sieve, like lesion in the bony orbital roof. This lesion diseases are considered as a result of hypertrophy of the right bone marrow. The second physiological stress marker is dental hypoplasia translates a deficiency in enamel thickness resulting from this disruption of the process of enamel opposition. This lesion indicates usually episodes of stress that the individual survived them. The physiological stress markers are related mostly to nutritional deficit and anemia. Finally, osteoarthritis, which is a degenerative pathology and a joint disease, is influenced by age, but also by activity, like the occupational stress marker, anomalies seen in the insertion zone of bone, on bone of tendinous formation and ligamentaries. The study of paleopathological condition allow us to learn more about the health issues, but also about the lifestyle. The grave goods identified are ceramics, coins, and also fauna. The study of coinage was made by Jeremy Arthur and Hanin Bessime. For the ceramics, the study was made by Yemen Sayed. Those materials allowed us to date the monument and to study the ritual aspects. The study of fauna remains made by Frédéric Poupon permitted to identify the presence of animals as beef, equidae, goat, pig, dog. The conclusion. In conclusion, in fact, this is an unprecedented and exceptional excavation of a monument, which has most often been excavated without anthropologists and without the archaeoanthropology methods. Thus, we have no other studies to compare our results, especially for the complexity and the funerary practices discovered in this tomb. We have remains of a large number of subjects in primary deposits and in a restricted space. The spaces were most likely accessible during decomposition, which may explain the condition of the bones and the absence of connections. Adults and immature, especially perinatal, buried in the same space. This is impressive if we take into account that during the same Punic period and on the coast of Tunisia, we have the polemic around the presence of children in funeral area. In one hand, we have an underrepresentation of children in Punic necropolis, and in rare cases, we have the presence of special spaces reserved for this category. And on the other hand, we have the big question of the sacrifice of infants in Tophet, a critical and complicated question we are not debating today, but this sends us to rethink the status and cultural understanding of children in the Numidian world. For MNI proposed so far is preliminary, number will likely increase with excavation and study. Perspective, the results that we already have are interesting, but the work could be more global with the ancient DNA analysis, which will allow us to answer questions that excavation and the study of different materials can give us, such as the kinship relation between individuals, biological profile as the effects of the individuals, especially when the remains are in poor condition, and past pathogens. This work will be a reference in the study of the Numidian funerary world in Tunisia. I would like to thank the Alia Foundation for accepting this project, which will allow us to answer a lot of questions and open up research prospects to others. Thank you for your attention. Oui. C'est des questions pour vous. Allez, on prendra les questions pour les amuser, pour ça on ne les oublie pas. Allez, je prendrai les questions.
Fatma. Merci, Fatma. Thank you very much for your presentation. Very interesting. If you would like to ask a question. Yes, yes, of course. Please. Interesting insights into what is an ongoing research, and this is part of my first question. You said it's preliminary. Yes. I was curious about what you were hoping or what you were expecting to find in the future, how to put it together with the findings presented today. And the second question, I understood towards the end that you don't have a lot of material to compare the results to. And I find this very interesting because, say, for example, what the social status of a person is, or how hard the workforce that you can see from the stress on the workforce, it would be interesting to compare, because then you can say something about it. So is there a way to compare it maybe to later samples and say, by our standards, this person was exceptionally hard working on? So, or from another geographical area, so what can you do as a trick, basically, to go around not having material to compare to? Okay, I'll start with the first question. So, in fact, yes, we're trying to finish soon as possible the excavation of this monument because the results depending on the excavation and the study of the human remains. So we have the global representation of individuals in spaces. Maybe we are trying to see they are matching from one space to another of the same individual, for example. The representation, of course, of the MNI of individuals to know how many peoples we have in this space. So the matching of the pairing matching of individuals will facilitate the question of DNA, because that will be a bad case if you have petrous bones of one individual and not the molars of the same individual. It's hard to see if all the parts is from the same one, but we are going to try to do the pairing match, especially for imagery, that would be easier because we have categories that are easier to done with, for example, category of image. For the second question, for comparison, you asked about about physiological aspects or results. But then I was wondering, what's your next step? Because you want to know what the data in relation to what it means. Yeah. So where would you look if you don't have the direct? Okay, the problem of materials and results in Tunisia about funerary questions that usually we don't excavate with anthropologists. No, we are doing this. And the study of the materials and the publishing publications, present of publications. So it's hard to find elements to compare them to know, okay, we have the basina, we have data. Can we talk about, can we see another comparing question, another basina with the same data, if we have the same funeral aspects, if you have perinatal and immature in another basina of funeral monuments. So my perspective is to study other basinas, so other funeral monuments in the same, to see if we have the right answers or not. We are trying, it's a better thing to find another comparison elements. Just a comment to continue this, the question of Barbara is regarding the comparison between what we found in the site of Tuga, but it is important to have another comparison with another Roman site in Tunisia. Another, it would be better to have the same chronological aspects. So we have, we are in specific chronological issues in Tunisia because it's considered as proto-historic monuments, but what's proto-history in North Africa? Okay. There are other questions. Merci, and thank you. Okay. About five persons, I think, two of the Maghrebis and two or three others. Yes. Okay. So you think that there is a relationship between other five persons? This is the question. That's why I'm trying
to do DNA analysis to answer this question, to see the relationships between them. You have the same kinship between the individuals they had. Is it for a tribute or a certain person, or it was utilized for other persons and mixes? The thing is, one of the aims of this project, which is a personal DNA analysis, to try to resolve this problem with this remains in the same burial. Is it a familial burial or others? We try to explain this in the DNA analysis. Your question? My question is on this. It's about the bone remains. So you said that you found the bone remains in the chambers, right? Yeah. Do you have an idea if they have cut marks, and especially the dog, because if they have cut marks, obviously they are eaten, so... For the human remains, we didn't find any cut marks. It was one fragment from the first chamber. It can be probably from the first excavation, the first one in 2002. It's not where I'm not sure it's a cut mark. But for the fauna, it's the work of Frédéric Poupon. It's not my work. I think he didn't find for the dog vertebra. No, I think he didn't find. And also, if you see their cervical and missing part of the vertebra of the of the dog, and we have the other part in the picture, I don't know if you saw it. So no, it's not complete vertebra. Yeah. There are missing parts of the vertebra, but no, I think he didn't see any cut marks for this for the dog. But it's interesting to find the dog in the patina. Yeah, I think maybe, yes. It's not a question, just to comment to tell you you have a good opportunity today to encourage archaeologists to collaborate with paleoanthropologists, because it's a real problem that is in the yes, in all the excavation on birds. So we have to please call a paleoanthropologist when you are studying any basina or dog, because we are really missing information. And this is why it's difficult for me to find elements of comparison. Even I think in Algeria, the same thing. Things that are similar to Algeria, but they are weren't excavated with the paleoanthropologists. Thank you. Have a question. Okay. Semir, you introduce Soleil. Thank you very much. Salamatul and good continuation. Je passe la parole à Solène, qui nous parlera de la pratique des crémations des périnataux dans l'ère sacrée de Saturne à Douga. Solène est anthropologue au CNRS, Aix-en-Provence. Merci beaucoup, cher Samir. Merci à tous les organisateurs de m'avoir convié à ce workshop international. Je suis vraiment ravie, encore une fois, d'être parmi vous, même si c'est en visioconférence. Et je m'excuse par avance, car je ne pourrai pas rester cet après-midi avec vous, ayant d'autres obligations. Je ne sais pas pourquoi ça passe directement. Attendez, je gère. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats qui sont issus de la fouille des urnes, issues de l'ère sacrée de Saturne à Douga. Le corpus étudié est un petit corpus, au total 13 urnes sur les 20. Pourquoi si peu d'urnes? Véronique vous l'a expliqué, parce qu'elles sont issues d'un sondage qui avait déjà été réalisé. Nous avons quand même pourtant eu la chance de retrouver quelques urnes, soit complètes, soit fragmentées. En effet, tout d'abord, entre 2017 et 2019,
9 urnes ont été découvertes. Parmi ces neuf urnes, 4 sont complètes. Alors, quand je dis complète, c'est-à-dire qu'au moins le contenu à l'intérieur de l'urne est complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas été bouleversé. Et parmi les 9, 5 autres sont fragmentées. C'est surtout celle-ci que j'ai pu étudier. Les autres étant été découvertes en 2021, parmi ces nouvelles découvertes, dont 4 nouvelles urnes, une était complète, une fragmentée et 2 malheureusement incomplètes. Quand vous voyez évidemment l'état à l'intérieur du contenu, les études anthropologiques qui vont être réalisées vont être les mêmes, mais nous n'aurons pas forcément l'ensemble des informations. Alors, quelles sont les méthodes qui ont été employées? Tout d'abord, pour la fouille et l'étude du contenu. Pour chaque urne complète, une fouille stratigraphique a été réalisée. Alors, qu'est-ce que nous entendons par fouille stratigraphique? En fait, l'ensemble du contenu de l'urne est fouillé par passe entre 1 et 3 cm. Parfois, ces passes sont une réalité archéologique, c'est-à-dire qu'en dessous, vous pouvez avoir le dépôt osseux qui est un geste intentionnel. Nous avons déposé les os à l'intérieur de l'urne. Et puis après, il y a de l'infiltration de terre, par exemple, à l'intérieur de l'urne. Ces différentes couches vont être fouillées donc par différentes strates, car comme vous pouvez le voir, comme je vais pouvoir vous présenter, cela va nous donner plusieurs informations. Donc, chaque strate, chaque passe est documentée par dessin, mais également par photographie zénitale. Comme je vous le disais, cette importance de la fouille stratigraphique de ces urnes est prouvée notamment par l'exemple que vous pouvez voir ici de l'urne 9. Cette urne 9 est celle qui a été découverte devant la stèle que vous pouvez voir en photo à droite et que vous a présentée Véronique tout à l'heure. Quand l'urne a été découverte, elle était placée verticalement. Donc, on pouvait supposer que lors de la fouille, le dépôt osseux, que vous pouvez voir sur le dessin à gauche, donc la zone hachurée, allait se situer au fond de l'urne. Or, quand nous avons commencé à fouiller, nous nous sommes aperçus qu'en fait, l'amas osseux était concentré sur le rebord de l'urne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, l'urne, au départ, a été déposée horizontalement, ou en tout cas, elle a pu être déposée verticalement, puis elle est tombée sur le côté. Et la terre, dans un second temps, s'est infiltrée, bloquant l'amas osseux sur le côté. Or, quand elle a été découverte, elle était verticale et grâce à la terre d'infiltration, l'amas osseux est resté. Donc, cela veut dire qu'il y a eu une réintervention du dépôt de l'urne dans le sanctuaire. Et donc, ça, ce sont des informations très importantes pour caractériser justement les gestes, les pratiques, l'utilisation, les différents dépôts au sein même du sanctuaire. Un autre exemple de réintervention, de déplacement des urnes est celui de l'urne 8 que vous pouvez voir en haut à gauche. La photo en haut à gauche montre l'état de découverte de l'urne. Donc, vous voyez bien que celle-ci a été fragmentée. En effet, l'ensemble des fragments de céramique, quand ils ont été remontés, on montre, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche, que l'urne n'était pas complète. Elle a probablement été déposée complète. Il y a eu une réintervention, l'urne a été cassée, mais pourtant, il était très important pour les anciens de laisser cette urne au sein même du sanctuaire, même fragmentée. Ils ont alors reconstitué le dépôt en mettant la partie supérieure de l'urne en bas de manière horizontale et la partie inférieure par-dessus, et ils ont redéposé cette urne au sein du sanctuaire. Pour les urnes qui sont fragmentées, si l'ensemble du contenu était complètement bouleversé, l'ensemble a été étudié en une seule et même strate, passe. En revanche, lorsque nous avions, comme sur la photo gauche, donc l'urne 2, encore quelques centimètres qui étaient conservés et en place, nous avons réalisé une fouille stratigraphique. Alors,
Quel type d'études avons-nous mené pour les urnes? Alors, pour chaque urne, mais surtout aussi pour chaque passe réalisée, nous avons fait un tamisage et un tri de l'ensemble des sédiments. Tout d'abord, pour le sédiment avec une maille tamisée, avec une maille supérieure à 2 mm, nous avons fait un tri exhaustif. Nous avons séparé les os humains des os de faune, de macrofaune ou de microfaune, de gastéropodes, également évidemment le matériel, s'il y en avait d'autres, mais également le charbon ou autre. Entre 2 et 0,05 mm, nous avons réalisé un tri sélectif. Évidemment, nous avons récupéré les os humains, macrofaune, etc. Mais l'ensemble du sédiment, surtout, a été conservé pour être donné et étudié aux carpologues et aux anthracologues, afin qu'ils étudient eux-mêmes le charbon et les graines. Le sédiment inférieur à 5 microns a été, dans certains cas, conservé afin de tenter de faire des analyses de pollen. Ce pollen peut en effet être issu de parfums qui ont été versés, alors non pas sur le bûcher, car s'il a été versé sur le bûcher, évidemment, le pollen a été brûlé, donc n'est plus visible, n'est plus étudiable. En revanche, on sait par les textes que du parfum pouvait être déposé à l'intérieur de certaines urnes, versé, pardon, à l'intérieur de certaines urnes après la crémation, et dans ce cas, les pollens peuvent être conservés au sein même de l'urne. Après ce tamisage et ce tri, chaque fragment de taille supérieure à 2 mm est tenté d'être déterminé. Cette différence entre les fragments déterminés et les fragments non déterminés va nous permettre d'obtenir un taux de détermination. Enfin, tous les fragments vont être comptés. Les fragments au-dessus de 2 mm vont être comptés, ce qui va nous donner un taux de fragmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les os sont brûlés et quand ils sont encore chauds, ils se fragmentent énormément. Et donc, plus les os sur un bûcher vont être fragmentés, plus cela montre une conduction, une réintervention de l'homme sur le bûcher lors de la crémation. Enfin, chaque fragment d'os, ou os évidemment s'il est complet, ou chaque dent, partie de dent, ou partie anatomique, parce que évidemment, en fonction de la taille du fragment, de ses particularités, il n'est parfois pas possible de l'identifier à un seul os, mais parfois juste à une partie anatomique, comme la tête, l'avant-bras, etc. Tous ces os-là sont pesés afin d'obtenir une masse osseuse. Tous ces résultats sont intégrés dans un tableur réalisé par Henri Dudet et ses équipes. Toute la méthodologie que je vous expose ici était celle utilisée donc par Henri Dudet et exposée en 2013, publiée en 2013 dans l'ouvrage sur les fouilles de Porta Nocera à Pompéi. Vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ces informations et ces tableaux que je ne vais pas vous présenter en détail permettent de travailler sur la présence, la représentation des différentes parties anatomiques au sein de l'urne et surtout donc de donner des informations sur les méthodes de prélèvement au sein du bûcher. Pour faire un exemple évidemment typique, ce qui n'est pas le cas ici, mais si vous retrouvez par exemple tous les ossements de la tête au fond de l'urne, au milieu de l'urne, les vertèbres et au-dessus de l'urne, les pieds, cela va montrer en fait une récupération des os de manière systématique et de manière rangée sur le bûcher, et ce qui va indiquer également que le bûcher n'a pas été conduit. Au niveau des études anthropologiques, après avoir justement déterminé, pesé, compté l'ensemble des fragments au-dessus de 2 mm, mais aussi pesé les fragments osseux entre 2 mm et 0,5 mm, nous allons essayer d'identifier au maximum notre défunt. Alors pour cette identification, nous allons tenter d'estimer au plus près, évidemment, l'âge au décès du défunt. Cet âge au décès du défunt
va surtout être réalisée sur la calcification osseuse ou sur une estimation de stature, si on a quelques ossements qui sont encore préservés, ou encore, surtout pour les crémations des tout-petits, sur la maturation osseuse. Pour les causes du décès, nous allons évidemment tenter de le savoir. Malheureusement, il est très difficile, même si on trouve des pathologies, de savoir si ce sont des pathologies, des anomalies, par exemple, létales. Enfin, nous allons bien vérifier qu'il n'y a qu'une seule personne ou plusieurs à l'intérieur des urnes. Et puis, nous allons regarder la couleur des ossements ou le type de fragmentation des ossements afin de déterminer la chaleur, l'intensité de la crémation du bûcher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'os devient blanc, plus la chaleur était intense sur le bûcher. Je vous montrerai un exemple juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, le sexe biologique du défunt, personnellement, et les anthropologues de manière générale, pour des tout-petits, comme c'est le cas évidemment sur les dépôts du sanctuaire de Saturne à Douga, ne peuvent pas être estimés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cet âge-là, le dimorphisme sexuel n'est pas encore assez développé, et donc le seuil de fiabilité des méthodes, soit scopique, soit métrique, n'est pas assez fiable, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas des seuils de fiabilité au-dessus de 95%, et donc généralement on évite de donner des âges. Alors, il existe des méthodes qui permettent de donner le sexe biologique, en tout cas d'essayer de s'en approcher, mais elles sont, j'ai envie de dire, en cours de développement, et puis on est en plus dans le cadre de crémation avec des ossements qui bougent, qui se déforment, et donc ça devient vraiment très compliqué d'avoir un âge, d'avoir une estimation du sexe. Donc évidemment, les études ADN anciens, dans ce cas-là, que ce soit évidemment pour le profil génétique des individus, mais aussi pour le sexe des individus, est très important dans le cadre de ces études. Afin de participer donc à l'étude, j'ai pu réaliser donc les prélèvements ADN que j'ai donné aux collègues. Alors, sur l'ensemble des 13 urnes actuellement étudiées, je n'ai pu faire que 7 prélèvements. 7 prélèvements de l'os pétreux. Alors, pourquoi l'os pétreux et que celui-ci? C'est vrai que souvent, on utilise les dents. Le problème, c'est que nous sommes sur des tout-petits et les dents sont uniquement sous forme de germes. Alors, parfois, vous pouvez avoir des molaires qui sont un petit peu importantes. Le problème, c'est que ces molaires-là, en fait, sont tombées lors de la crémation de la mandibule ou du maxillaire et donc ont été touchées tout particulièrement par le feu. Sinon, ce n'est vraiment que des tout petits fragments. Et afin de tester, cela paraissait vraiment trop compliqué. Donc, nous avons plutôt prélevé les os pétreux. On a eu de la chance, quasiment dans toutes les urnes, nous avions les os pétreux. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la corticale, l'enveloppe externe de l'os est blanc. Donc, ça a été fortement atteint par le feu. En revanche, quand on regarde à l'intérieur, vous pouvez voir que cet os qui est très compact présente une couleur encore noire. Et donc, on peut espérer peut-être que de l'ADN ancien soit encore conservé. Les résultats nous le diront. Donc, pour les résultats de manière générale, évidemment, l'objectif, vous l'aurez compris, identifier les défunts qui ont été choisis pour être déposés au sein du sanctuaire, mais également caractériser l'ensemble des gestes, des pratiques et des rituels qui ont été réalisés en son sein. Alors, ce qui était très intéressant, tout d'abord, c'est de voir qu'au sein de ces urnes, à l'intérieur de ces urnes, nous avions deux types de remplissage. Je vous ai mis quatre exemples. Donc, à gauche, des urnes qui sont très faiblement remplies. Vous pouvez voir quasiment un quart de l'urne, vraiment quelques centimètres au fond de l'urne 7. Et puis, quand on regarde les os, ce sont des gros fragments osseux qui sont assez facilement identifiables. Et puis, sur votre droite, vous avez deux exemples. L'urne 2, vous pouvez voir de tout petits fragments osseux mélangés à de la terre assez cendreuse et parfois, dans l'urne 19, de la cendre complètement pure.
Quand on regarde de plus près ces contenus, à gauche, vous pouvez voir que la masse générale osseuse à l'intérieur des urnes va osciller entre 12 grammes et 41 grammes. Alors que dans les autres urnes, nous n'avons que des tout petits fragments, la masse osseuse est entre 3 et 9 grammes. Et puis surtout, évidemment, c'est logique, vu que les os sont aussi plus importants, de taille plus importante, un taux de détermination qui va osciller entre 67 et 97 pour les urnes de gauche et vraiment très faible, entre 19 et 52% à droite. Dans le cas des urnes à gauche, vous avez l'ensemble du corps, des parties du corps qui sont représentées, avec alors, des petits fragments, mais avec peu de petits os, dans le sens petits os, c'est-à-dire des petits os complets, c'est-à-dire des petites phalanges ou les os de l'oreille moyenne. En revanche, à droite, dans les urnes de droite, vous avez cette présence de petits ossements type phalange. Donc, l'hypothèse que j'ai pu faire, c'est-à-dire que dans les urnes de gauche, nous avons une collecte non exhaustive, mais manuelle, des os du bûcher et sans préférence spécifique pour une partie du corps. Ces os-là ne semblent pas avoir été nettoyés, ou en tout cas pas complètement nettoyés, parce que parfois il reste de la cendre et du charbon attachés aux ossements. En revanche, il est plus probable qu'après avoir réalisé ce prélèvement manuel des plus gros ossements, les restes du bûcher, les tout petits fragments, la cendre, les charbons, ont été ramassés. Le bûcher, la zone de bûcher a été nettoyée et ces résidus de bûcher ont été déposés à l'intérieur d'une autre urne. Ce qui veut dire qu'il est possible que dans deux urnes, nous ayons la représentation d'un même défunt. C'est-à-dire que vous allez avoir un défunt qui va être déposé sur le bûcher. Dans une urne, nous allons déposer les plus gros fragments et dans l'autre urne, nous allons déposer en fait, les résidus, les nettoyages du bûcher. Donc, ce qui pose évidemment un problème sur le NMI à l'intérieur du sanctuaire, mais pour le sanctuaire de Douga, évidemment, aussi, ça permet d'avoir une réflexion plus générale sur les NMI dans l'ensemble des 100 sanctuaires ou les tophètes. Évidemment, si l'on dit que nous avons, par exemple, 1000 urnes dans un sanctuaire ou un tophète, il y a 1000 individus, alors que finalement, nous avons deux urnes pour un même individu, il n'y a plus que 500 individus. Dans le cas de Douga, le NMI est à chaque fois de un seul défunt, sauf dans deux urnes où nous avons pu voir les restes d'un deuxième individu avec l'observation, l'identification d'os, ce qu'on va dire, surnuméraire. En réalité, quand on regarde de plus près la distribution osseuse, on le remarque qu'il y a surtout un seul individu avec un âge qui correspond à un même âge, on va dire, et puis parfois un petit os par-ci par-là qui va faire des doublés et qui est probablement donc issu d'un nettoyage faible du bûcher. Donc, il a été testé évidemment des liaisons anatomiques entre les différentes urnes afin de vérifier, de voir s'il y avait la possibilité de vérifier si nous avions un seul défunt et qui était représenté dans deux urnes. Donc, nous avons pris les deux types d'urnes et puis nous avons d'abord regardé les urnes qui se situaient à proximité. Donc, par exemple, l'urne ici, les deux urnes qui se situaient à proximité, que je vous ai présentées tout à l'heure, j'ai essayé des collages, regardé par comparaison de taille, etc. Et il est certain que nous avons bien deux individus différents dans chaque urne, car nous avons deux doublés, il y a deux fémurs gauche et deux hémimandibules. Un autre cas a été spécifiquement recherché dans les quatre urnes qui ont été découvertes dans la partie sud du sanctuaire. En effet, deux urnes vraiment à proximité, collées l'une à côté de l'autre, mais encore une fois, deux urnes qui contenaient deux individus différents, car dans chaque urne, nous avions deux grandes ailes de sphénoïdes.
Alors, les résultats de manière générale, tout d'abord sur l'intensité de la crémation et la conduction du bûcher. Je vous ai mis cet exemple de l'urne Certes, car il est tout à fait typique de ce que l'on peut retrouver. Donc, vous voyez une représentation quand même très, très claire, hein, correcte, une bonne représentation du défunt, avec toute la partie droite qui est faiblement brûlée. Donc, vous pouvez voir une corticale encore noire, grise, et puis la partie gauche et la tête beaucoup plus brûlée. Ce qui signifie, s'il y a une partie du corps qui est moins brûlée que l'autre, que l'ensemble des ossements n'ont pas été mis au milieu, par exemple, pour qu'il y ait une combustion homogène. Donc, on peut dire qu'il y a une faible conduction du foyer. Toutefois, la couleur blanche des ossements, mais aussi les cassures en ondes concentriques montrent que le bûcher pouvait s'élever, la chaleur du bûcher pouvait s'élever jusqu'à 800 degrés. Enfin, bah, évidemment, cette non-homogénéité, j'ai envie de dire, de la chaleur, bah, permet d'avoir des os parfois peu brûlés, et donc on peut espérer avoir de l'ADN ancien encore conservé, même sur ces crémations. Au niveau de l'âge du décès, de manière générale, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de manière générale, nous avons des enfants qui sont âgés entre 8 mois in utero et 2 mois après la naissance. En raison de la variabilité individuelle et interpopulationnelle, il est très difficile en fait, de savoir si ces enfants sont morts-nés ou s'ils ont vécu quelques heures, voire quelques jours après leur naissance. Évidemment, cette information serait très intéressante, notamment pour comprendre qui était enseveli à l'intérieur de ces sanctuaires. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette information. Au niveau de la cause du décès, en effet, tous ces enfants sont pour l'instant viables. Certes, ils sont décédés, mais ils étaient viables à la naissance. Et aucune anomalie létale a pour l'instant été observée, ni trace de sacrifice ou autre. Enfin, pour les autres dépôts sur le bûcher, il est quand même très intéressant de remarquer que si du matériel a été déposé, comme le matériel que l'on a retrouvé au sein du sanctuaire et que Véronique vous a présenté tout à l'heure, comme des balsamères, des mumitariums, etc., en tout cas, ce matériel n'a pas été déposé au sein de l'urne. Seule exception, ce sont les os de faune. En effet, Frédéric Poupon, dont vient de vous parler Fatma, qui est l'archéozoologue qui travaille sur les ossements de faune, a pu voir qu'il y avait des jeunes caprinés, surtout en majorité, quelques autres éléments, mais en grande majorité, des jeunes caprinés qui étaient brûlés avec le corps sur le bûcher. Des petites parties du corps, par l'ensemble du corps, et donc après la combustion, les anciens n'ont pas fait la séparation entre les ossements humains et les ossements de faune, bien évidemment. Et puis, on retrouve aussi des petits fragments de graines ou de galettes, etc., qui ont été déposés sur le bûcher et qui n'ont pas été également triés. Une seule exception sur le matériel, un jeton en os que vous pouvez voir sur la photographie en bas. Donc, en conclusion, on peut remarquer qu'il y a une persistance dans le sanctuaire de Saturne des pratiques rituelles pré-romaines. En effet, nous sommes en présence uniquement de périnatales. Une urne, toutefois, a livré uniquement des ossements d'animaux. Parfois, il n'y a que l'enfant, le périnatal, ou sinon l'enfant associé à des os de faune. Et puis, ces urnes, comme vous l'a montré Véronique, sont associées à des stèles et à du matériel. En revanche, on a des différences de constitution des dépôts, si on se réfère à Carthage et au Tophet de Carthage, que nous a présenté l'équipe de Imed Benjerbania en décembre dernier. On peut voir qu'il y a un taux de fragmentation et de représentation qui sont différents, notamment pour les humains, mais encore pour la faune, donc on n'a pas les mêmes pratiques. Et puis, nous avons des
des différences aussi de collecte sur le bûcher. Si à Carthage, l'ensemble du bûcher va être récupéré et mis dans une seule urne, là, nous avons vraiment une collecte sélective, hein, manuelle, des plus gros os et qui sont déposés dans l'urne. Enfin, même si les résidus du bûcher sont parfois récoltés et mis dans une urne, les os surnuméraires que l'on retrouve à l'intérieur de certaines urnes montrent que le bûcher n'était pas non plus complètement nettoyé, car il restait des petits os qui traînaient par-ci par-là et qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'une autre urne. Alors évidemment, nous allons continuer ce travail, hein, d'enquête détective sur les autres urnes qui ont été découvertes en 2021 et continuer à chercher ces connexions anatomiques entre les différentes urnes. Enfin, donc très important aussi, hein, les informations qui sont issues donc, de la fouille même sur le terrain, mais aussi de la fouille stratigraphique, microstratigraphique au sein des urnes, car ça permet de montrer aussi des gestes, des déplacements des urnes au sein même du sanctuaire et de voir comment vit le sanctuaire. On va redéposer des urnes et on va déranger les urnes qui étaient déposées, mais l'important, c'est le dépôt. Et on va le déplacer ou on va remettre, va reconstituer un dépôt qu'on va situer dans le sanctuaire. Enfin, vous l'avez compris, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais autre que les humains, il y a eu de la faune, donc il y a eu des repas qui ont été réalisés au sein du sanctuaire. Donc, si Frédéric Poupon a surtout axé ses travaux actuellement sur les os qui ont été découverts à l'intérieur de l'urne, nous allons rentrer dans une nouvelle phase aussi d'études sur les os qui sont retrouvés à l'extérieur des urnes mêmes, au sein du sanctuaire, dans les remblais. Et puis, nous allons continuer à travailler aussi sur les études carpologiques, travailler aussi sur les charbons de bois pour voir s'il y a des essences spécifiques qui ont été choisies ou si on prenait les essences juste à proximité. Et puis, on verra bien, on va tester les prélèvements polliniques que nous avons réalisés aussi à l'intérieur de l'urne pour voir si on arrive à mettre en évidence des versements de parfums à l'intérieur de ces urnes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir invité à cette journée. Merci beaucoup. Alors, juste, c'est bon là? Parfait. Donc, merci beaucoup pour la présentation très intéressante, pour toutes ces informations et ces clarifications. S'il y a des questions dans l'assistance. Mm-hmm. Bon, je vais poser une question en attendant les autres. Solène, d'après votre expérience et quand vous avez vu les échantillons de Doga, comment ça se situe, comment vous pouvez la comparer, comment vous pouvez comparer ces restes, ces dispositions dans les urnes, ce que vous trouvez par rapport à d'autres sites que vous avez étudiés avant? Alors, j'ai envie de dire, ça va être un peu la même réponse que Fatma tout à l'heure. C'est-à-dire que ces études sont vraiment, un peu nouvelles. Alors, évidemment, étudier les ossements, c'est pas nouveau, mais la méthode utilisée n'a pas encore été beaucoup, j'ai envie de dire, multipliée. En fait, les études de ce type ne se sont pas encore beaucoup multipliées. Et donc là, on l'a vu récemment, justement, lors du colloque sur les Tophètes, hein, sur les 100 ans du Tophète de Carthage en décembre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette multiplicité de ces études qui sont développées et qui vont enfin permettre de pouvoir justement comparer les différents sanctuaires. Nous avons par exemple le sanctuaire de Enchir al-Ami, hein, qui a été un peu la découverte, le renouveau de ces questions en Tunisie. Alors évidemment, il y a eu des études anthropologiques qui ont été faites, mais pas assez précise ou en tout cas de manière différente, c'est normal parce que les méthodologies évoluent et donc voilà. Donc
Il y a des spécificités, ça c'est certain. C'est-à-dire que j'ai participé à l'étude en tant que formatrice sur les urbes du Tophet de Carthage, et donc j'ai pu vraiment voir tout de suite la différence. C'est-à-dire que ce qui est fait à Carthage n'est pas du tout la même chose qu'à Douga. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et lors du colloque aussi, on a vu que ce n'était pas la même chose à Carthage qu'en dans les autres Tophets, par exemple de Sartène, etc. Donc voilà, donc finalement, oui, de manière générale, on retrouve des périnatales dans le sanctuaire, dans les sanctuaires, que ce soit Douga ou ailleurs, ou Enchirlani, dans les Tophets, ce qu'on appelle les Tophets. Et pourtant, on s'aperçoit que les gestes sont différents, ce qui est finalement aussi un peu logique, hein, c'est-à-dire que ce sont ceux qui vont réaliser au sein même du sanctuaire, ou parfois quand on sort du sanctuaire, les familles au sein de l'acropole, c'est eux qui sont responsables en fait de l'ensevelissement de leurs défunts. Et donc, il y a une espèce de koiné générale des pratiques que l'on va retrouver. Mais pourtant, ces petites différences-là qui sont mises en avant sont très importantes. Et donc, l'enquête est ouverte et j'espère pouvoir justement vous répondre plus précisément dans quelques années. Merci beaucoup, c'est clair. D'autres questions pour Solène ? Ok, donc il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup Solène. Merci à vous. Véronique aussi pour la présentation et merci pour votre présence en ligne. On va passer à l'autre présentation. Tu vas mettre la présentation de Olfa, d'accord. Ok, c'est avec un grand plaisir aussi qu'on enchaîne avec notre conférence présentée par Dr. Olfa Dalmat, spécialiste en archéométrie, donc d'autres nouvelles spécialités nouvelles dans le domaine de l'archéologie, qui va nous parler de la tripunite de la nécropole de Douga, et elle va nous parler un peu de ses techniques et de ses pétrographies. À toi la parole, Olfa, donc c'est 30 minutes. Thank you for you and for the committee members of IDEA. I'm happy to be among you for presenting the unique poetry from the megalithic necropolis of Douga. Typo chronology and petrography approach. So, this research consists in establishing typological and historical study on ceramic collections from the excavation carried out in the Basina. First, I will identify the characterize the petrographic specificities to reply for the question. So, what are the petrographic and the geochemical characteristics of the clay used in the modeling? What are the degreasers added by the potter? And by comparing with other predictions, can we identify the petrographic specificity of Douga ceramic? First, I'm going to present the framework. Then I'm going to present the collection. After that, the petrographic part, and finally the geochemical approach. So,
presentation of the framework. This presentation is an extract of the joint work with my colleague Yemen Sghayr. It consists in studying a collection of pre-Roman ceramics found in the excavation of the megalithic necropolis of Doga. This collection is composed of about 50 individuals. My colleague Yemen was in charge of the archaeological and typological study, and I was in charge of the archaeometric study. A preliminary study was carried out in 2019 and was published in Antiquité Africaine. In this article, we have limited ourselves to the study of the six samples. This study will be the subject of this presentation that will help us to understand the objective of this discipline and follow it approach. Let's move to presentation of the ceramic collection. So between 1996 and 1999, the Dolmenic necropolis north of Douga site underwent several archaeological interventions. These activities led to the identification of pre-Roman funerary monuments distributed between dolmens, basinas, and quadrangular structures. A collection of vases was discovered during these interventions. The ceramics, whose chronology does not go beyond the first century BC, is composed of the few imported elements, imitations, but also turned the ceramics of Punic tradition and made hand pottery. Among the upwards two productions are present. The first related to the workshop of Kyle's dates from the second half of the third of the middle of the second century BC. The second imported production is the Companion A, with other forms like fish plate, deep bowl, bowl with the retracted rim, which date from the end of the third to the first half of the second century BC. The imitation ceramics is not abundant. Two cups with continuous curve are identified. It's difficult in the present state of the documentation to define the center of production of these vases, but it's an imitation of Attic forms or ancient Companion A. These examples date from the beginning of the third of the first half of second century BC. The Punic turned ceramic are attested mainly by fragments of amphora with a retracted rim, which date from the beginning of the third century BC and were made in the workshop of Carthage or Cabon. A lamp dating from the first half of the second century BC, and also we note the presence of Egantaria of fusiform form, which date from the end of the third and the first half of the second century BC. We have discovered in the Basina 55 a lamp with a short inclined rim. This type of lamp dates from the first half of the second century BC. The ceramic found in the megalithic necropolis are essentially composed of shaped pottery. The latter is summarized in the four main forms. We have bowl with rounded rim, also bowl with vertical rim, deep bowl, and jar. Recent excavations
still in progress in Bazina 55 have allowed the discovery essentially of ceramics and mainly of handmade pottery. This collection consists mainly of bowls. The majority of the pottery modeled in Doga is attested in Bazina 55. These forms date from the first half of the second, according to the presence of the local turned ceramics or imitation. Let's move to the petrographic part. So we have a few samples were subjected to petrographic analysis, and here are the results. So the deep bowl with the size of quartz is between 50 and 500 micrometer, with subrounded and subangular form, with some iron oxide inclusions. The second one, jar, with the grouts is of reduced size, below 250 micrometer, whose dominant form is subrounded. And overall, we have iron oxide chamotte with the size below 500 micrometer, and we have also biotite and microfossils. The third samples, so we have the grains of quartz with the size ranging between 50 and 800 micrometers. We also note the presence of iron oxide, calcite, and feldspath. The chamotte are between are brown in color and are rich in quartz. So the microfossils are abundant. The quartz is between 50 and 400 micrometer in size, of subrounded and subangular form. We note the abundance of calcite, feldspath, microfossils, and iron oxide. So the geochemical parts. This analysis were financed by the CNRS and carried out at the National Office of Mines of Tunisia. So the objectives are first to characterize the chemical composition of the ceramics and determine the origin of its raw material, then to confirm the compatibility with the petrographic part, and finally to establish a correlation with the petrographic results and the sorting performance. So, by comparing this preliminary analysis with other studies that have been carried out on the production of Carthage and Sahel, we can deduce, first, the ceramic is rich in silica. In fact, the Punic ceramics of Doga are richer in silica than those of Carthage, and poorer than those of Sahel. This explains the abundance of quartz grains observed under the binocular and microscope. And then we can deduce also that ceramic is rich in carbonate oxide. In fact, it presents a higher percentage compared to the production of two other regions, especially with the frequency of abundance of shells, nanofossils, and microfossils.
the progress of interpretation of the results of analysis collected, as well of the ceramics as of the deposit, could clarify better this hypothesis. So we have to complete, and we will complete also the petrographic part for the whole collection. We will also develop the studies of microfossils and the geochemical part. And finally, we will apply a correlation study. Thank you for your attention. Thank you very much, Elsa. We take some questions for Elsa. This is a new facility. Nadia, you have a question? No, we talk. Maybe there is a question. The mark is for the percentage of silica, yet to compare the ceramics in the sand, where the degree of the silica is higher than in Carthage. However, we are talking about two coastal cities. And the, I think, how can we explain the higher percentage of silica in the window compared with the coastal city, which is, Carthage? Yes, thank you for this. So we have done the results for having idea about the clay and the side of that had used by the potter. And for this, so we have compared the different clay of and ceramic of Sahel and Carthage. So we have also the others elements that we have identified according to the chemical part, like iron oxide, like a big varieties. We will continue to study this part. Thank you. I have a question also. Yes, so okay. We'll go. Okay, until now, and based on your results, the main ceramic nature is from local site, or it's important from other sites? Yes, for the handmade potter, is certainly local, yes. But concerning the turned ceramic, we will do some correlations with the clay that we have prepared and analyzed for look for if we have some difference or similitudes. So we the work is in progress. Yes. The work is on progress. Thank you very much to Alpha. Thank you very much to all speakers for this morning. Thank now you. It's time for